Les 17 objectifs de l'ONU en matière de développement durable sont le modèle d'un avenir meilleur pour tous. La Suisse a déjà fermement ancré ses objectifs dans sa politique. Toutefois, il reste des défis à relever, par exemple en matière de changement climatique. Nous devrions réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Les objectifs intermédiaires pour 2015 ont été dépassés pour les bâtiments et l'industrie. En revanche, les transports n'ont pas atteint l'objectif d'une stabilisation par rapport à 1990. Il faut également agir sur la consommation de ressources de la Suisse. Viele Unternehmen haben sehr große Anstrengungen getätigt, um ihre Ressourcen- und Energieeffizienz zu verbessern. Sie produzieren heute mit weniger Umweltbelastung in der Schweiz und das ist sicher eine sehr positive Entwicklung. Auf der anderen Seite wissen wir eben auch, dass der Ressourcenverbrauch generell noch viel zu groß ist. Wir haben noch keine Kreislaufwirtschaft und gerade auch diejenigen Produkte und Dienstleistungen, die aus dem Ausland kommen, entsprechen oftmals nicht den ökologischen und sozialen Anforderungen, die wir von Seiten der Schweiz eigentlich stellen müssten. Der Konsum der Schweizerinnen und Schweizer ist heute nicht nachhaltig. Wir wissen aber, dass 3/4 des ökologischen Fußabdrucks heute im Ausland anfallen, also über den Import von Dienstleistungen und Gütern, die im Ausland produziert oder erbracht werden. Und genau hier gilt es eigentlich anzusetzen, um zu schauen, dass wir diese ökologischen und sozialen Auswirkungen verbessern können. Im Bereich des Konsums haben wir vor allem 3 große Bereiche, wo der Umwelt- und soziale Impact sehr groß ist. Das ist der Bereich der Ernährung, der Bereich des Wohnens und der Bereich des Verkehrs, also des Freizeitverkehrs eigentlich. Etwa 1/3 der heute produzierten Lebensmittel, 2,6 Millionen Tonnen oder fast 200 Kilo pro Schweizerin und Schweizer werden jedes Jahr weggeworfen. Und das ist sicher etwas, was wir so nicht weiterführen können. Un autre point concerne l'égalité des sexes. En Suisse, les femmes gagnent toujours en moyenne 15% de moins que les hommes. Afin de promouvoir l'égalité salariale en particulier, la loi sur l'égalité doit être révisée. Là aussi, il y a eu des progrès, puisqu'il y a une nouvelle loi qui vient d'être adoptée par le Parlement, qui va obliger les entreprises, à partir de 100 employés, à réaliser une analyse de l'égalité salariale. Parce que ce qu'on observe, c'est que beaucoup d'entreprises pensent qu'elles respectent l'égalité salariale, mais dans le fond, il y en a peu qui ont véritablement fait une analyse pour s'assurer que c'est le cas. Et parmi le petit nombre d'entreprises qui a fait l'analyse, des enquêtes nous montrent que la moitié d'entre elles après observent que non, la situation n'est pas parfaite et qu'elles doivent impérativement améliorer la situation. Après, dans le domaine de la formation, là aussi nous sommes extrêmement actifs. Eh bien, il y a des projets pour encourager les hommes à oser s'intéresser au domaine de l'éducation, de la santé, parce qu'on sait que dans ce domaine-là, on manque de main-d'œuvre et on manque d'hommes aussi. Et puis, il y a aussi d'autres types de projets qu'on soutient, dont par exemple le domaine des maths, de l'ingénierie, la technique, où là aussi on manque de main-d'œuvre et les femmes sont très peu présentes. En 2018, 18 522 infractions liées à la violence domestique ont été enregistrées. En moyenne, 25 personnes meurent chaque année. Alors dans ce domaine, nous sommes aussi actifs. D'abord, la Suisse a introduit une loi qui poursuit de vice la violence domestique, ça déjà en 2004. Tout récemment, nous avons ratifié la Convention d'Istanbul, la Convention du Conseil de l'Europe contre la violence domestique et la violence envers les femmes. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne arrivée. J'ai appris ce matin, on dit en canton du Vaud, une bonne arrivée. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier und ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, manchmal hat das Französisch einfach ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Dramatik, wenn ich Ihnen das heutige Thema vorstelle. Quel monde pour demain? Oder que nous promet le futur? Oder quels sont les défis pour l'avenir? Da sagt ein Berner vielleicht einfach ganz kurz, Uitze. Oder ein Teenager in Zürich würde mich fragen, was läuft. Also
da muss ich Ihnen wirklich zugestehen, das Französisch am Anfang eine wunderschöne Dramatik, die uns Deutschschweizern ein bisschen abgeht. Ich freue mich sehr auf ein ganz tolles Nachmittagsprogramm. Ich habe Ihnen den ganzen Morgen schon den Speck durch den Mund gezogen, was wir heute alles erwarten können heute Nachmittag. Sie haben es schon ein bisschen gespürt und ein bisschen gesehen. Auf der einen Seite die 17 Ziele der Vereinten Nationen, der Klimawandel, Digitalisierung, also die ganz großen Themen, die uns die nächsten kommenden Jahrzehnte beschäftigen. Auf sicher werden wir heute Nachmittag mit den einen und anderen Expertinnen und Experten hier diskutieren und hoffentlich auch mit Ihrer Partizipation noch ein bisschen vertiefen. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute Nachmittag den Außenminister bei uns begrüßen dürfen. Zuerst möchte ich nun aber das Wort dem Präsidenten der Auslandschweizer Organisation übergeben. Bitte, Remo Giesing. Mesdames et Messieurs, bienvenue au Congrès 2019 de l'Organisation des Suisses de l'étranger. Je suis ravi d'accueillir environ 200 visiteurs de tous les continents ici à Montreux. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le Conseiller national et syndic de Montreux, Monsieur le Président du Tribunal fédéral, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Directeur général de SSR, Mesdames et Messieurs du Palais fédéral et du Parlement fédéral, chers orateurs de cet après-midi. Das Kongressthema Welche Welt für morgen ist verführerisch. Für die Auslandschweizer Organisation würde dies etwa wie folgt aussehen. Erstens, in der Welt von morgen sollen alle stimmberechtigten Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer die Möglichkeit haben, abzustimmen und sich an nationalen Wahlen und Abstimmungen zu beteiligen. Dazu braucht es ein sicheres E-Voting-System, das vom Bund und Kantonen bis 2020 bereitzustellen ist. Nach einer 16-jährigen Probezeit mit rund 300 erfolgreichen E-Voting-Einsätzen ist dies sicher nicht zu viel verlangt. Zweitens, in der ASO-Welt von morgen hätten alle Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ein Bankkonto zu anständigen Bedingungen. Und drittens hätten wir Wünsche zu den Sozialversicherungen und anderen Themen, die uns auf Trab halten. Aber heute Nachmittag wollen wir dies alles stehen lassen und wollen über den Tellerrand hinausschauen, uns den Entwicklungslinien, Chancen und Risiken dieser Welt zuwenden. Dabei soll vor lauter Zukunftswünschen die Analyse nicht zu kurz kommen. Ich hoffe, dass dieser Kongress auch mithilft, dass wir zwischen parteitaktischen Fake News und wissenschaftlich untermauerten Zielgrößen und Prioritäten unterscheiden können. Auch die Zeitachse ist in unseren Betrachtungen im Auge zu behalten. Es gibt auf der Welt Verfalldaten, Points of No Return. Oder mit anderen Worten, in manchen Weltthemen steckt Dringlichkeit, die Notwendigkeit eines raschen, gemeinsamen und wirksamen Handelns. Ich möchte ein paar Gedanken zum wohl wichtigsten Thema äußern. Ich ging diesen Sommer oft im Rhein schwimmen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Rhein auch bei größter, längeren Hitzeperioden sehr viel Wasser führt. Schmelzwasser. Im Wallis, Bündnerland und auch anderswo kann man fast zusehen, wie sich die Gletscher zurückziehen. Eigentlich ist alles klar. Die Landwirte rechnen nach Dürremonaten mit Ernteausfällen. In Städten und Erholungsgürteln vertrocknen die Bäume. In der Hart, in Birsfelden, ein Vorort von Basel, wo ich oft spazieren gehe, ist der Wald gesperrt, weil dort Äste herunterfallen und 6000 Bäume wegen Dürre gefällt werden müssen. Weltweit verlieren Menschen ihr Zuhause und viele auch ihr Leben wegen Waldbränden und aufgrund von Hitzewellen. Kurz,
Wenn der Ausstoß von Treibhausgasen in den nächsten Jahren nicht radikal reduziert wird, hat dies für uns alle fatale Folgen. In dieser Situation habe ich kein Verständnis für Klimaleugner und kein Verständnis für politische Parteien, die in einer Umfrage der Schweizer Revue als prioritäre klimapolitische Maßnahme die Verflüssigung des Verkehrs in den Städten und Agglomerationen sehen. Es gibt offenbar Menschen, auch Politiker sind Menschen, denen die Berge vor die Füße oder das Haus fallen müssen, bis auch für sie klar ist, wie groß die Bedrohung ist. In dieser Situation braucht es Mahnerinnen und Mahner. Ich denke zum Beispiel an Matthias Wackernagel, ein Auslandschweizer, der in den USA lebt. Er hat schon vor Jahren das Modell des ökologischen Fußabdrucks entwickelt. Ich finde dieses Modell faszinierend, weil es sich von der nationalen auf die lokale Ebene und selbst auf die individuelle Ebene herabbrechen lässt und zur Frage führt, was können wir, was kann ich, was können wir alle ökologisch besser machen? Weniger fliegen ist klar, weniger Autofahren ist auch klar, nachdem ich zur Kenntnis nehmen musste, dass die Autos und Motorräder 2017 11,3 Millionen Tonnen CO2 ausstießen in der Schweiz. Das sind 26% der Gesamtemissionen der Schweiz, mehr als das Doppelte des Flugverkehrs. Gerne erinnere ich auch an die Ausstellung Wasser unser, welche das Alpine Museum Bern 2017 zeigte. Darin angesprochen waren auch etwa Nutzungs- und Nutzerkonflikte um die Ressource Wasser. Wer bekommt bei voraussehbarem knappen Wasserbestand wie viel Wasser und wer bekommt es zuerst? Die Frage, wem das Wasser gehört und wer Zugang dazu erhält, wird künftig existenziell sein. Die Antwort dürfen wir nicht dem Preissystem des Marktes oder Konzernen überlassen, welche systematisch Quellen und Brunnen aufkaufen und auf die Erzielung hoher Gewinne und Dividenden ausgerichtet sind. Da wir mit Ihnen, Herr Bundesrat Cassis, einen ausgewiesenen Präventivmediziner unter uns haben, ich bin sehr glücklich darüber, will ich hier auch die Pestizidbelastung unseres Schweizer Trinkwassers und Grundwassers ansprechen. Die Behörden mussten in den letzten Monaten immer wieder eingreifen. Ende Juli musste der lokale Wasserbetreiber von Molen im Kanton Aargau 2 belastete Wasserfassungen vom Netz nehmen. Noch immer sind in der Schweiz 12 Pflanzenschutzmittel zugelassen, die in der EU bereits verboten sind. Und ich frage mich, wie lange noch? Wasser ist ein Menschenrecht. Das hat die UNO schon 2010 offiziell anerkannt. Vielleicht ist es in der Welt von morgen auch ein explizit erwähntes Grundrecht in unserer Verfassung. Zu den wichtigen Mahner und Mahnerinnen gehört auch die UNO, der wir viele globale Fortschritte unterschiedlichster Art zu verdanken haben. Zum Beispiel die 8 Millenniums-Entwicklungsziele, darunter auch die ökologische Nachhaltigkeit. Mit der Agenda 2030 definiert sie 17 Nachhaltigkeitsziele, eine weitere wichtige Zielvorgabe für die Welt von morgen. Ich freue mich, heute Nachmittag mehr darüber zu erfahren. Sehr dankbar bin ich auch den Berner Klimaforschern, die in diesen Tagen die noch oft gehörte Abwehrfloskel, es gab schon immer Klimaschwankungen, widerlegten. Sie konnten aufzeigen, dass in früheren Klimaepochen die Temperaturverläufe regional unterschiedlich verliefen, während die Erderwärmung der letzten 100 Jahre ein globales Phänomen ist. Sie belegen auch, dass die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung deutlich über den Werten der vorindustriellen Zeit liegt und dass der Mensch der Antriebsfaktor zu dieser Erwärmung ist. Meine Damen und Herren, wir alle stehen aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse in der unabdingbaren Pflicht zu handeln. Und da bin ich
der Wissenschaft und insbesondere auch all den Jugendlichen, Mahnerinnen und Mahnern, für ihre unüberhörbaren Warnrufe und Forderungen zum Klimaschutz sehr, sehr dankbar. Meine Damen und Herren, der ASO-Kongress 2019 ist eröffnet. Nun freue ich mich, Ihnen, Herr Bundesrat Gassis, das Wort geben zu dürfen. Aber ich möchte das mit einem ganz großen Dankeschön verbinden für die stets vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit. Herzlichen Dank, Herr Bundesrat. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident Giesin, caro Remo, Monsieur le conseiller national Verli, président de cette merveilleuse ville de Montreux, cher Laurent, Signor consigliere agli Stati Lombardi, vicepresidente dell'ASO, caro Filippo, meine Damen und Herren Mitglieder des Schweizer Parlaments, sehr geehrte Direktorin, Frau Rustichelli, cari delegati e membri dell'ASO, liebe Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, chers gests da lingua rumancia, dear guests, mesdames et messieurs. Sono felice di essere qui con voi oggi, grazie davvero per l'invito. È ancora vivo in me il ricordo della Fête des Vignerons del 25 luglio scorso e dell'incontro con i produttori di vino svizzero nei terroir esterni alla Svizzera. Davvero un bel ricordo, malgrado il temporale ci abbia costretto a vedere solo metà dello spettacolo. La rencontre avec les jeunes Suisses de l'étranger et l'enthousiasme que j'ai pu lire dans leurs yeux à Vevey, ainsi qu'aujourd'hui à Montreux, il y a juste une demi-heure, me réchauffe le cœur. Merci donc pour ces opportunités de rencontre. First of all, I would like to thank you so much for your commitment to all Swiss citizens living abroad. The wide selection of services you're offering to the Swiss expatriates keeps and definitely strengthens the ties among them and between them and our beloved country. On behalf of the Federal Council, I just want to thank you for that. Seit 1916 engagiert sich die ASO für die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Ihr Kongress ist ein wichtiger Anlass und ist bekannt für sein perfektes Timing und die immer gut gewählten Themen. Letztes Jahr war es der Aktualität Europapolitik gewidmet. Inzwischen ist alles gelöst. Unter dem Titel Die Schweiz ohne Europa, Europa ohne die Schweiz, konnte Herr Staatssekretär Roberto Balzaretti eine Bestandesaufnahme dieses politisch anspruchsvollen Themas vorzunehmen. Das ist die elegante Formulierung für die Quadratur des Kreises. Dieses Jahr widmen Sie Ihren Kongress dem Thema Welche Welt für morgen? Ein ebenfalls anspruchsvolles Thema, das uns allen beschäftigt. Eine Expertengruppe hat letzten Monat einen Bericht Außenpolitische Vision 2028, kurz AVIS 28, veröffentlicht, den Sie alle in den drei Amtssprachen auf unsere Internetseiten runterladen können. Mit nur 46 Seiten bietet er eine einfache und ich denke auch spannende Lektüre über die Rolle der Schweiz in der Welt in 10 Jahren, 2028. Bevor ich mich dem Kongressthema zuwende, möchte ich kurz auf drei Themen eingehen, die Sie aktuell beschäftigen. E-Voting, da habe ich gut gespürt in Vevey, Konten bei Schweizer Banken und Gedenken an Schweizer Opfer des Holocausts. E-Voting. Der Bund hat Sie, liebe Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, seit 2004 als prioritäre Zielgruppe in E-Voting-Pilotprojekten definiert.
Der Bund wollte nämlich das E-Voting als ordentlichen Stimmkanal einführen. Doch Sicherheitsbedenken haben die Anfangsbegeisterung gebremst. Ohne ausreichende Sicherheit geht es tatsächlich nicht, denn das Vertrauen der Schweizer Stimmbürger in den Abstimmungs- und Wahlprozess ist das höchste Gut, das wir haben. Der Bundesrat hat deswegen vor wenigen Wochen im Juni entschieden, vorläufig auf die Überführung von E-Voting in den ordentlichen Betrieb zu verzichten. Er hat die Bundeskanzlei beauftragt, bis Ende nächstes Jahres zusammen mit den Kantonen eine Neuausrichtung des Versuchsbetriebs zu definieren. Zweites Thema: Konten bei Schweizer Banken. Ce thème vous est très cher, je le sais bien. La question s'est posée après la crise du secteur financier il y a une dizaine d'années. Le Parlement est souvent intervenu et le Conseil fédéral a examiné en profondeur la question. Son analyse a été présentée dans le rapport du 20 avril 2016 suite au postulat Graber 14-37-52. Depuis lors, exerçant sa fonction de guichet unique pour les Suisses et les Suisses de l'étranger, notre département offre par l'intermédiaire de sa helpline et de la direction consulaire, je salue le directeur Mathias ici parmi nous, un service de conseil en collaboration avec le secrétariat des finances du département des finances et les autres services concernés. Cela aide, mais ne peut pas résoudre tous les problèmes, comme par exemple ceux qui touchent aux frais de gestion des comptes bancaires. Le rôle de l'État est celui de créer les meilleures conditions cadres pour que les services puissent être offerts. L'offre de services bancaires demeure, quant à elle, une tâche du secteur privé. Le Conseil fédéral suit avec attention l'évolution en la matière et reconnaît l'importance pour vous toutes et tous de pouvoir soigner des relations bancaires avec les banques suisses. Et je me suis arrêté chez deux ateliers juste ici dehors, la Banque cantonale genevoise avec son offre spécifique et la Banque cantonale zurichoise parmi les grandes banques de Suisse qui, elle aussi, est occupée à étudier cette question. Troisième thème, also Arbeitsgruppen, Opfer des Nationalsozialismus und Botschafter der Toleranz. Sie wollten damit der Schweizer Opfer gedenken. Der Bundesrat anerkennt vollumfänglich die Wichtigkeit der Sensibilisierung der jungen Generationen für die Verfolgung der Opfer des Nationalsozialismus und unterstützt verschiedene Aktionen. Mein Departement hat Sie mit unserem historischen Dienst und mit nützlichen Kontakten ebenfalls unterstützt und wird dies weiterhin tun. Der Vorschlag einer Gedenktafel wäre sicher eine Ergänzung der errichteten Holocaust-Denkmäler. Die Förderung der Toleranz, Toleranz zwischen Individuen und zwischen Nationen, bleibt ein wichtiges Anliegen der Schweiz in der Welt. Ma veniamo ora al tema del congresso, che quest'anno si interroga sul mondo del futuro. Non so se la drammaticità in italiano corrisponde a quella francese o se il Zürichdeutsch è più semplicistico su questo. Fatto sta che interrogarsi sul futuro del mondo è oggi più che mai necessario, vista l'evoluzione della situazione. Sie fragen nach künftigen Herausforderungen und wie man ihnen am besten begegnet. Genau die gleiche Frage habe ich mich als neuer Außenminister gestellt. Wohin geht die Reise der Schweiz? Welche Chancen, welche Herausforderungen wird die Schweiz in der Welt anno 2028 haben? Und welche Erwartungen haben hierzu unsere Bürgerinnen und Bürger im Inland sowie im Ausland. Als Außenminister sage ich Ihnen, wir genießen hohes Ansehen in der Welt. Unsere Dialogbereitschaft wird geschätzt. Unsere guten Dienste werden gebraucht. Unsere Zuverlässigkeit und Stabilität werden bewundert. Daran ändert auch nichts, dass wir momentan mit unserem wichtigsten Partner, der Europäischen Union, etwas ringen müssen. Ja, der Bundesrat will hier den bestmöglichen Marktzugang zum EU-Binnenmarkt unter Beibehaltung der größtmöglichen Eigenständigkeit, die berühmte Quadratur des Kreises. Diese Kombination sorgt aber dafür, dass es uns gut geht. Ihr Kongressthema vom letzten Jahr bleibt also aktuell. Wir wollen uns heute aber nicht in den Details dieser Geschichte
Verfahren. Wie gesagt, im Ausland wird immer wieder betont, dass die Schweiz eine erstaunliche Stabilität aufweist. Genügt das auf Dauer? Wissen wir, wohin wir in Zukunft wollen? Wie sagt die Katze zu Alice im Wunderland? Wenn du nicht weißt, wohin du willst, dann ist es egal, welchen Weg du einschlägst. Die Schweiz ist ein Wunderland, klar, aber auch ein reales Land. Ich will also wissen, wohin wir wollen. Es gehört zu den Aufgaben des Gesamtbundesrates, die Zukunft nicht so sehr vorherzusehen, sondern möglich zu machen. Deshalb habe ich eine hochkarätige Arbeitsgruppe eingesetzt, die den Auftrag hatte, sich über einen außenpolitischen Weg Gedanken zu machen. Sie sollte eine Vision 2028 darlegen. Eine Vision ist ein längerfristiges Zukunftsbild. Es gibt uns Orientierung, Sinn, Inspiration für unser Handeln. Die Expertengruppe hat einen umfassenden Bericht geliefert, den ich zu Beginn angesprochen habe. Damit Sie Lust bekommen, den Bericht zu lesen, hier kurz das Inhaltsverzeichnis. Kapitel 1: Klar definieren, welche Interesse und welche Prioritäten die Schweiz hat in der Welt. Aufgrund der Verfassung, der Werte und der Eckwerte, die auch im Bericht definiert worden sind. Kapitel 2: Handel mit dem Schweizer Softpower für eine Welt in Frieden und Sicherheit. Kapitel 3 ist der Technologie, sprich Digitalisierung, gewidmet, als neuer Driver der Änderung. Und gleichzeitig auch andere Driver der Änderung wie Climate Change, wie die Klimaänderung. Kapitel 4 ist uns psychologisch gewidmet, selbstbewusst mit und gegenüber Europa. Wir sind ein europäisches Land, aber nicht gehören zur EU-Familie. Selbstbewusst, aber auch selbstkritisch unterwegs. Kapitel 5, Verschränkung von Außen- und Innenpolitik, da kommt man schon bald auf meine Devise. Kapitel 6, ganzheitlicher Ansatz, das heute sagt man es lieber in Englisch, Wall of Switzerland Approach. Das soll mehr Kohärenz widmen. Nicht, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte Hand macht. Das passiert immer wieder. Widersprüche gehören zu unserer Welt. Und Kapitel 7 ist Bürger und Wirtschaft stärker im Fokus gewidmet. Bürger, weil mehr als 760.000 Mitbürgerinnen und Mitbürger im Ausland leben, darunter viele von ihnen. Bürger, weil die Menschen in unserem Land immer öfter reisen im Ausland. 15 Millionen reisen. Und da kommt mir nahe die Überlegungen mit dem CO2. Das der Präsident hier gesagt hat und der Bundesrat hat vor wenigen Wochen entschieden, mindestens verwaltungsintern die Reisefreudigkeit etwas zu reduzieren. Ich habe hier ziemlich großes Penpower, weil interessanterweise viele Delegationsreisen ins Ausland müssen vom Außenminister unterschrieben werden. Und hier versuche ich jetzt die Delegationsgröße und bei gewissen Distanz auch die Zugverbindungen ein bisschen zu pushen. Jeder muss wirklich in seinem Umfeld aufgrund seiner Funktion hier aktiv werden. Bürger, weil ihre Bedürfnisse sich verändern und der Staat den Erwartungen gerecht werden soll. Und Wirtschaft, weil wir jeden zweiten Franken durch den Export verdienen. Wir brauchen diese Absatzmärkte, sonst haben wir nur das existenzielle 1 Franken von 2. Und wir leben eigentlich gerne im Wohlstand. Und Wirtschaft, weil die Wirtschaft Motor des Wohlstandes, der Jobs und der Innovation ist. Im Bericht finden Sie auch keine Begriffe wie Kleinstaat oder kleine Stadt. Im Gegenteil, Sie spüren Selbstbewusstsein und politisches Gestaltungswillen. Sie finden in dieser Vision Weitsicht und neue Horizonte. Kurz, eine außenpolitische Vision für unser Land, die auf den Werten und den Eckwerten der Schweizer Verfassung beruht. Weil ich nicht müde werde, meine Devise zu wiederholen, Außenpolitik ist Innenpolitik. Es gibt nur eine Schweiz, hier und abroad. Und natürlich auch umgekehrt, Innenpolitik ist Außenpolitik. Wir sollen unsere Swissness selbstbewusst und respektvoll in die Welt bringen. Aktiv mitreden, teilhaben an der Entwicklung dieser neuen globalisierten Welt.
Nur so können wir unsere Interessen wirklich vertreten. Für Frieden, für Sicherheit, für Arbeitsplätze, Wohlstand und auch für Souveränität. Und Sie sind als Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer hierzu die ersten und wichtigsten Botschafterinnen und Botschafter in der Welt. Ich danke Ihnen dafür. Ich wünsche mir vom Bericht AVIS 28 eine breite Debatte über die Zukunft unseres Landes und werde den Bericht als Inspirationsquelle für die Weiterentwicklung der Außenpolitik nehmen. Nehmen wir zum Beispiel die konsularischen Dienstleistungen. Da haben Sie am meisten mit denen zu tun. Im Mittelpunkt stehen die Bürgerinnen und Bürger, die Nutzer dieser Dienstleistungen, also auch Sie. Deshalb lautet die Frage von unserem Direktor Matthiasi: Wer ist überhaupt die Auslandschweizer? Wer ist überhaupt der Auslandschweizer des Jahres 2028? Ich habe diese Frage den Jungen oben im Zimmer gestellt. Wo sind Sie in 10 Jahren? Was sind Sie in 10 Jahren? Welche Bedürfnisse und welche Erwartungen werden Sie haben? Wie digital soll die Verwaltungspraxis dann sein? Was kann besser gestaltet werden? Bürgerdienstleistungen sind das Fundament für das Vertrauen in unser Departement. Diese werden für die Auslandschweizer informatisiert und mobiler erbracht. Denken wir beispielsweise an die mobile Passstationen. Ich konnte in Lateinamerika sehen, wie es gut funktioniert. Die konsularische Direktion testet auch innovative Anwendungen wie Chatbots. Die konsularische Direktion hat also die Nase im Wind. Aber niemals wird die Informatik die physische Präsenz von kompetenten Menschen vor Ort ersetzen, ganz ersetzen können. Darum pflegen und erhalten wir unsere breite Präsenz auch und gerade für Sie, Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Unsere Mitarbeiter stehen ja täglich an der Front im Kontakt mit Ihnen. Aber wir wollen auch von Ihnen hören, was Sie denken und was Sie brauchen. Deshalb macht die konsularische Direktion eine Umfrage zu den konsularischen Dienstleistungen bei den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern. Mit der Beantwortung dieser Umfragen helfen Sie alle mit, Ihre Welt im Jahr 2028 aufzuzeigen. Liebe Delegierte und ASO-Mitglieder, Signor Presidente, Signore e Signori, eccovi al termine di ciò che volevo dire. Anche quest'anno il mondo gira, as usual. Ma con ogni giro nascono nuovi desideri o bisogni e si articolano domande alle quali cerchiamo risposte. Il mondo è più multipolare, lo spazio e il tempo sono relativizzati dalle nuove tecnologie e vecchie categorie di pensiero come i binomi democrazia-capitalismo, autarchia-socialismo vengono rimescolati, rimessi in discussione, pensiamo alla Cina. Dans ce monde en évolution, la Suisse cherche elle aussi son chemin, fidèle à sa mission de protection de la liberté et des droits, ainsi que de maintien de l'indépendance et de la sécurité, formulée à l'article 2 de notre Constitution, ses habitants participent à la construction de notre avenir. En Suisse, comme à l'étranger, soyons confiants, respectueux des autres et sûrs de nous. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen 97. Kongress und einen spannenden und freundschaftlichen Austausch. Danke für Ihr Engagement zugunsten der Schweiz. Vielen Dank. Dankeschön. Und wir haben ja nicht immer die Gelegenheit, es freut uns sehr, wenn wir schon einen Bundesrat bei uns haben, jeweils, dass wir vielleicht die eine oder andere Frage stellen können. Ah. Casa del Café, merci beaucoup. Café aus Nicaragua, wunderbar, vielen Dank. Café für alle nachher. Natürlich versuche ich jetzt einen Bogen rund um das Rahmenabkommen zu machen, das war letztes Jahr, beschäftigt Sie offensichtlich ja immer noch, aber diese AVI 2028 ist jetzt für die nächsten 9 Jahre, ist es nicht etwas, was man vielleicht alle 5 Jahre wiederholen müsste? Das heißt, wenn wir jetzt im 2019 sind, 2024, müsste man dann vielleicht bereits auf das 2034 weiterschauen, weil es ja eine dynamische Entwicklung ist, was uns alle betrifft und wie wir betroffen sind. Ist davon. Genau so. Ausgezeichnete Frage. Warum überhaupt, habe ich gesagt, eine Vision in 10 Jahren? Der Staat funktioniert meistens 4 Jahre über 4 Jahre. Die Wahlen sind ja demnächst, in zwei,
in 2 Monate. Und da wird das Parlament erneut und das Parlament wird zu Beginn Dezember den Bundesrat erneuern. Und dann für 4 Jahre ungefähr herrscht Ruhe. Oder man kann sich fachlich, Ruhe ist übertrieben, man kann sich fachlich vor allem mit den Dingen auseinandersetzen. Natürlich, es ist immer Wahlkampf, aber weniger als im richtigen Wahlkampf. Und deshalb in diesem 4-Jahres-Rhythmus ist die Zeit etwas sehr kurz, um ein bisschen zu sich solche Gedanken über den Horizont zu stellen. Deshalb die Vision. Die Vision hat genau das Ziel, mal über 3 Legislaturen zu schauen und in welche Richtung die Welt geht. Die Vision ist aber kein, das ist, Sie haben es gehört, es ist ein Expertenbericht, interessant, man kann damit einverstanden oder nein, es ist nicht ein Entscheid des Bundesrates, auch nicht mein Bericht. Es ist eine Expertengruppe, die das gemacht hat. Aber ich möchte mich inspirieren lassen, mein Auftrag vom Bundesrat ist bis Ende Jahr einen Antrag für die außenpolitische Strategie 2023, also der nächste 4 Jahre zu haben. Und das ist ein bisschen die Hauptstrategie der Außenpolitik in der Schweiz, von der alles dann abhängt, die internationale Zusammenarbeit, die geopolitische, die konsularische und alles und so weiter. Aber wie kann man eine Strategie über 4 Jahre, wenn man nicht weiß, wohin die Reise geht? Das war meine Frage. Und deshalb haben wir diesen Approach gewählt. Und je nachdem, wenn das Rahmenabkommen dann endlich unterzeichnet ist, dann schaut die Welt auch wieder ganz anders aus. Nicht nur. Natürlich, Sie haben völlig recht. Vielleicht in 5 Jahren ist diese Vision wieder falsch, aha, weil die Welt hat sich jetzt irgendwo anders, als wir vorgesehen haben, entwickelt und dann müssen wir eine AVIS 32 Übung machen, damit wir etwas weiter. Wichtig ist für mich, dass wir proaktiv einen Weg suchen. Wir sind selbstverständlich, die Schweiz ist traditionsmäßig auch sehr reaktiv außenpolitisch unterwegs und wir sind nicht so schlecht gefahren damit. Es muss eine gute Mischung. Wir müssen opportunitätsorientiert, wenn die USA, wenn die Großmächte etwas entscheiden, dann sind wir bereit, gewisse Lücken zu schließen, gewisse Aufgaben. Aber das reicht nicht. Wir können nicht nur opportunitätsgetrieben herum sein. Wir müssen auch ein bisschen wissen, was mit der Schweiz passieren soll. Die anderen Länder tun es auch. Fragen aus dem Plenum. Bitte heben Sie einfach Ihre Hand. Dann macht es unseren Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Mikrofon unterwegs sind, einfacher. Benutzen Sie diese Gelegenheit? Ja, da vorne gleich in der 2. Reihe. Herr Muheim. Ja, Franz Muheim, Großbritannien, Auslandschweizerrat. Herr Bundesrat Cassis, wie Sie wissen, ist die Welt digital geworden. Das gilt auch für die Politik. Die Referenden kann man jetzt bereits via Internet organisieren. Wir haben ein Problem mit E-Voting, aber es ist nicht nur das E-Voting, was das Problem ist für die Auslandschweiz, sondern man muss die Unterlagen zuerst erhalten und da macht das Versenden auch Probleme. Wann werden wir eine elektronische Identität kriegen, welche vom Bund herausgegeben wird und nicht von der, UBS, sodass wir uns einloggen können und unsere Wahlunterlagen und Abstimmungsunterlagen dort abholen können? Ja, Sie haben sicher recht, wenn Sie sagen, die Welt wird digitaler, wenn Sie auch diesen Bericht lesen, die Treiber der Änderungen sind Digitalisierung, das ist klar, Klimaänderung auch klar und so weiter. Also wir haben auf jeden Fall heute das Gefühl, in 10 Jahren geht es in diese Richtung. Wir können immer irren, aber das ist heute so diese Vision. Und es ist auch klar, dass der Entscheid des Bundesrates, Sie sind die erste Versuchskaninchen für diese E-Voting, wenn ich das so sagen darf, das bleibt aktuell. Aber jetzt sind wir in einem Stopp, in einer Pause, weil es sind so viele Bedenken gegangen, die die Sicherheit der Methode betreffen. Und ich habe es gesagt, das höchste Gut, das höchste, mit Abstand höchste Gut in der Schweiz heute ist die Vertrauensbeziehung zwischen Ihnen alle, zwischen Bürger und Staat. Kein Land auf der Welt kennt diese Vertrauensbeziehung wie in der Schweiz. Das dürfen wir nicht ins Spiel setzen, nur um plus minus 10 Jahre. Sie sehen, auf welche Ebene meine Antwort ist, aber es ist tatsächlich auf dieser Ebene auch die Diskussion. Ich bin aber zuversichtlich, Sie haben es gehört, bis Ende nächstes Jahr muss die Bundeskanzlei zusammen mit den Kantonen. Alle wollen vorwärts machen, aber alle wollen vorwärts machen, ohne das Risiko zu laufen, diese Vertrauensbeziehung zu stören. Vielen Dank für die erste Frage. Wir nehmen sicher noch eine zweite mit.
da in der dritten Reihe, in der Mitte, der Herr, genau. Max Petitjean, Tokio, Japan. Wir sprechen über die Zukunft der Welt, aber auch der Zukunft der Schweiz. Es gibt eine Vergangenheit der Welt und ein nächster Konflikt in der Welt steht uns vielleicht bevor. Wenn jetzt der nächste Weltkrieg käme, wäre dann die Schweiz lieber eine neutrale Schweiz oder eine europäisch ausgerichtete Schweiz? Wie stellen Sie sich dazu? Ich würde zuerst mit dem Rückblick beginnen. Sie haben es vielleicht realisiert, wir sind 2019. 2019, ich habe das Glück gehabt, in meinem zweiten Amtsjahr dieses verrückte und wunderschöne Jahr zu erleben, weil es ist das Jubiläum von so vielen Dingen. Warum? Weil 1919 der Aufbruch war, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Am nächsten, darauffolgenden Jahr ist ziemlich alles passiert. Traité de Versailles, die Geburt des Völkerbundes, de la Société des Nations avec son siège à Genève. Wir werden es in wenigen Wochen in Genf genau das feiern mit einer wunderschönen Publikation, 100 Jahre Multilateralismus der Schweiz und so weiter. Dann die Geburt der Evangelischen Volkspartei. Das ist vielleicht weniger relevant, aber das zeigt auch, wie der Schweiz irgendwie daran waren, wieder aufzustehen. Und jetzt haben wir mit all diesen Maßnahmen war das Ziel gesetzt, kein weiterer Weltkrieg zu haben. Ziel erreicht? Nein. Der Zweite Weltkrieg ist gekommen. Das war auch gleichzeitig die Krise des Völkerbunds. Deshalb aufgelöst, Krise, Auflösung und dann ist die UNO aus deren Asches entstanden. Und jetzt immerhin, die UNO und die EU. Ein wichtiger Grund der Geburt der EU war ganz, ganz einfach, das sind Worte, die man heute kaum noch verwendet, aber Frieden und Wohlstand, nichts mehr, nichts weniger. Aber Entschuldigung, wenn es wenig ist. Und das spüren wir heute in dieser neuen Welt relativ stark. Immerhin, 70 Jahre später, können wir sagen, Ziel erreicht. Wir haben auf Kontinentaleuropa noch lange nie ein solches lange Zeit ohne Kriege. Natürlich in den Balkanen hat es, aber irgendwie große Kriege hat es nicht gehabt. Jetzt ist die große Frage, und Sie stellen sie richtig, korrekterweise, sind diese zunehmende Spannungen weltweit das Präludium für ein neues Krieg, der natürlich anders sein wird. Es hat Bücher dazu. Christopher Clark, ein wunderschöner Historiker, hat ein sehr großes Buch darüber geschrieben und es ist frappant, wie die Parallele sind mit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Also diese Sorge haben wir heute. Wie können wir in einer globalisierten Welt diese Sorge tragen? Mit multilateralen Organisationen, die wirksam und effizient sind. Also, jetzt ist die große Diskussion über die UNO, die Agenturen, die WTO und all die. Die Diskussion ist notwendig. Wir müssen sie reformieren, damit sie wieder stark, effizient und wirksam sein. Ein Grund des ab und zu schlechten Rufs, den wir hören, ist, weil sie sich verbürokratisieren. Wie jede staatliche Organisation mit der Zeit. Und deshalb braucht es immer Impulse, damit sie fit bleiben. Und das ist das beste Instrument, das wir in der Hand haben. Wir haben sonst nicht große, sonst ist die Kraft nicht die Macht des Rechtes, sondern das Recht der Macht, sondern werden die Weltmächte, die Atombomben und die größten Armeen der Welt haben, entscheiden, welche Zukunft haben. Diese Dinge, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Scheitern dessen, was nach dem Ersten Weltkrieg gemacht haben und nach dem Zweiten wieder versucht haben, haben immerhin bis heute gehebt. Und jetzt sind wir am Studieren, was muss gemacht werden, damit sie weiterhin das auch heben. Die Neutralität der Schweiz, zu Ihrer Frage, hat eine Bedeutung in Konfliktsituationen, bei Kriegen. Sie steht nicht zur Disposition, weder gestern noch heute noch morgen. Das ist Teil unserer Identität. Vielen Dank. Und im Zuge der leider schon etwas vorgerückten Stunde bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen. Herr Wundersart Gassis, vielen Dank für Ihren Besuch hier in Montreux. Dankeschön.
Ja, wir haben uns sogar schon in dieser letzten Frage wirklich in Richtung des nächsten Themas bewegt. Das war absolut passend. Die Zukunftsfragen, die uns auf einer globalen Ebene betreffen, die stehen natürlich auch im Fokus der Vereinten Nationen. Zum Beispiel die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sogenannten SDGs oder Sustainable Development Goals. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu einen UN-Vertreter aus Genf bei uns begrüßen dürfen heute Nachmittag. Francesco Pisano studierte internationale Beziehungen und Recht mit Schwergewicht Konfliktlösung und er besitzt einen Master in diplomatischen Studien. Seit 26 Jahren ist er bei den Vereinten Nationen, er ist seit 2016 Leiter der Bibliothek der Vereinten Nationen in Genf und leitet dazu die kulturellen Aktivitäten der UNO in Genf. Herzlich willkommen, Francesco Pisano. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, Monsieur le Conseiller fédéral, les autorités fédérales, parlementaires, cantonales et de la ville, et le Président de l'OSE, merci de m'avoir invité, merci de nous avoir invité, les Nations Unies à Genève, que le Conseiller fédéral a mentionné. Nous sommes tout près, parfois si loin. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de vous faire un aperçu de l'agenda 2030, qui en français, je pense, s'appelle le programme 2030 pour le développement durable. Tout le monde a déjà vu ces objectifs, ces couleurs qui ont été créées justement pour retenir l'attention. Nous vivons aujourd'hui peut-être au plus haut niveau de notre civilisation. Dans beaucoup de domaines, c'est là la vérité. Mais la planète commence à montrer les signes de notre croissance à travers les siècles, de notre désir de développer, de cultiver, de dépenser, d'industrialiser. Ce prix-là commence à déborder le domaine de la nature pour avoir un retour négatif sur nous, l'espèce donc qui a créé cette évolution, cette civilisation. Je pense que le moment est venu de nous préoccuper, de se préoccuper, d'être préoccupé. Être préoccupé ne veut pas dire être pessimiste, ne veut pas dire céder à la panique. Mais c'est clair que si on veut parler du monde du futur, celui-là ne va pas ressembler au monde du passé. Ça, c'est clair. Et donc, il va être différent. Nous avons aujourd'hui la capacité de comprendre les défis. Nous avons une base scientifique et des connaissances qui nous permettent, effectivement, les deux, d'agir si nous le voulons. Ce qui manque, justement, qui semble manquer, c'est d'avoir intériorisé cette nécessité d'action. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que, alors que la procrastination à ce moment historique, à mon avis, risque d'être très dangereuse, la procrastination, comme dans le domaine médical, peut tuer. Pas seulement les espèces qui vivent à côté de nous, mais nous, en tant qu'espèces. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les pays du monde, dont la Suisse, ont décidé de se rallier, de se mettre d'accord sur 17 points qui vont nous guider dans notre futur. Tout le monde a entendu parler de l'agenda 2030, mais surtout des SDG. La première chose à faire, c'est reconnaître la différence. Alors, les ODD sont un cinquième de ces stratégies, sont un cadre de référence. Vous voyez que là, il y a 5 composantes. Et ça, c'est important, parce que l'agenda 2030, ces programmes, est d'abord un manifeste politique multilatéral. C'est un moment où ces 193 gouvernements sont tombés d'accord sur des principes. Et ces principes sont que nous ne voulons plus de pauvreté, nous ne voulons plus de faim, nous voulons que les femmes et les hommes soient traités effectivement de la même manière, et pas seulement dans le discours, la santé, l'accès à l'emploi, etc. Donc, parler de ODD, c'est parler de la composante qui est au cœur d'une stratégie qui est beaucoup plus ample et beaucoup plus révolutionnaire. Et j'utilise ce mot car c'est la première fois que tous ces gouvernements se mettent d'accord sur une vision du futur. Cette vision est très différente de celle qu'on avait avant. Regardez, avant, on avait deux voies.
soit on défendait la croissance aux dépens de la planète, soit on défendait la planète, les verts, les environnementaux, environnementalistes, aux dépens de la croissance. Aujourd'hui, on est devenu assez articulé, assez intelligente internationalement pour pouvoir dépasser cette contradiction qui était seulement apparente, je dirais même politique dans le cadre du jeu multilatéral. Aujourd'hui, nous avons une approche unique. Donc je reviens en arrière, et alors que forcément, par le passé, on était amené dans le discours entre pays à privilégier soit la planète, soit les peuples, soit la prospérité, c'est-à-dire la déclinaison courante de notre époque de prospérité s'appelle croissance économique. Cela n'est pas une donnée dans notre histoire. Donc, comment on concevoit ces cinq composantes va influencer effectivement notre futur. Et là, vous voyez que ces bulles sont de la même, du même volume, de la même surface, si vous considérez comme des cercles. Et ça, c'est fait exprès, parce qu'avant, on donnait priorité plutôt à un aspect ou à l'autre. Aujourd'hui, ces pays ont dit non, non. Il faut agir d'une manière holistique et intégrée. C'est comme dans un pays, quand on décide qu'une mesure de croissance économique va devoir forcément respecter des paramètres qui sont pour l'environnement, pour la santé et pour la paix, qui dans un pays pourrait être avoir une société juste et équitable, par exemple. C'est la même chose entre pays. On l'appelle la paix pour faire court, c'est une société internationale juste et équitable où l'agression n'est pas permise. Donc voilà que ces cinq P, qu'on appelle justement les cinq principes, ont tous la même importance. Ça, c'est quelque chose aussi à retenir. L'autre chose qui est à retenir de cette stratégie, c'est qu'elle est universelle. Alors que les objectifs du millénaire étaient un peu comme dire aux pays qui étaient un peu en retard, dépêchez-vous, grandissez, développez, nous on vous attend, peut-être. Alors là, tout a changé. Pour sauver les océans, il faut bien que les deux rivages s'activent. Pour qu'il y ait plus de pauvreté, il faut bien que les humains des deux côtés du spectrum s'activent, intériorisent. Je viendrai tout à l'heure sur comment on peut faire ça. Donc, universelle. Mais elle est aussi indivisible. L'image que je vous montre, c'est l'inverse de la carte. C'est comme quand on retourne un tapis et du coup, on voit comment il est tissé. Aucun gouvernement aujourd'hui peut se faire l'illusion de commencer par un ou l'autre des ODD et dire « je vais me cantonner à faire ceci ». Parce que, messieurs, dames, si vous envoyez toutes les filles de la planète à l'école, votre notion de ce qui est juste, injuste, pauvre ou riche, ou égalitaire ou pas, va changer. S'il n'y a plus de pauvreté, la notion de « decent employment », travail décent ou digne, va changer. Si vous n'êtes plus pauvre, votre notion d'accès à la santé de base a changé. Et donc voilà, fini l'illusion de pouvoir dire « moi, dans mes frontières, je sélectionne ceci et cela, et je laisse le reste ». Donc, j'ai passé plus qu'un quart de siècle aux Nations Unies. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que les gouvernements qui ont signé cet accord, qui n'est pas un accord du point de vue légal, mais qui est une stratégie, ont compris complètement dans quoi ils se mettaient. Mais c'est cela où ils se sont mis me plaît énormément. Et ici, je voudrais faire une petite parenthèse. C'est un honneur de parler en tant que fonctionnaire des Nations Unies devant des Suisses qui viennent de tellement de pays. Et c'est encore plus un honneur pour moi qui suis l'inverse. Moi, je ne suis pas un Suisse de l'étranger, je suis un étranger de Suisse. Moi, le naturalisé, qui a vu depuis le début de sa carrière aux Nations Unies, en la Suisse, un modèle pour les relations internationales. Les relations entre cantons, cette solidarité, cette façon de concevoir le progrès ensemble et le compromis,
est à la base de la philosophie du multilatéralisme. Aujourd'hui, nous vivons une époque qui teste la philosophie, mais qui ne la touche pas. Aujourd'hui, ceux qui disent le multilatéralisme est sous pression, le multilatéralisme dégringole, ils se trompent. Le multilatéralisme n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la capacité des individus qui ont les rênes des relations internationales à s'y engager, c'est-à-dire à le pratiquer. La philosophie n'a pas changé. Et ça, c'est toujours une valeur sûre. Et une valeur sûre, on peut construire avec, on peut construire dessus. Et donc, je ferme la parenthèse, mais elle était nécessaire parce que l'agenda 2030 nous vient, elle est fille de cette philosophie multilatérale, avancer ensemble. L'autre caractéristique de cette stratégie est d'être transformative. Je l'ai dit avant, si nous envoyons toutes les filles dans tous les continents à l'école, on va avoir un monde différent. Donc on s'engage par un bourg ou par l'autre, vous allez démarrer un processus, on l'a déjà démarré en 2016, de transformation progressive. C'est une transformation à sens unique, on ne peut plus revenir en arrière. C'est comme un certain type de progrès technologique que nous avons vécu, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Essayez de partir chez vous sans votre smartphone et résister plus de 40 minutes. Donc, ces trois caractéristiques font que cet engagement au niveau de gouvernement a été pris et on est poussé dans un entonnoir, on ne peut plus revenir en arrière. Mais voilà ce qui le rend différent des autres stratégies adoptées par les Nations Unies, ces documents copieux, durs à lire, incompréhensibles, qui nous ont coûté tellement. Si les Nations Unies avaient une division de marketing, je vous assure, ce serait très, très difficile pour nous, parce qu'on a vraiment passé des années à produire ça. Ça, c'est un autre produit, c'est une autre espèce, une autre catégorie. Elle se prête à quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. C'est-à-dire l'inclusion de chacun dans la réalisation de la stratégie. Je vous promets que chaque personne ici présente a un rôle précis à assumer. Vous pouvez refuser de le faire, mais vous avez un rôle. Et donc, le secret du succès de cette stratégie dans tous les pays d'où vous venez, et vous allez rentrer au terme de ce congrès, repose sur vous-même et sur ceux qui vivent à côté de vous. C'est comme dans une de nos belles communes, n'est-ce pas? On ne peut pas dire, dans ma commune par exemple, le syndic a dit qu'il ne faut plus arroser parce qu'il y a un état de sécheresse. C'est la somme du comportement de nous, les citoyens de la commune, qui va faire la différence. Je ne vois pas pourquoi ceci serait différent au niveau global. Je ne vois pas pourquoi un citoyen devrait s'asseoir et attendre que son gouvernement, au niveau étatique ou fédéral, fasse tout pour lui. Renonce à quoi? À sa bouteille en plastique pour lui. Donc cet agenda est conçu de son ingénierie primaire pour que les gens prennent un rôle crucial. Donc je vous invite à la lire. Ça, c'est un des cas. Il y en a d'autres, où tout le monde parle de quelque chose qu'il n'a pas lu. Alors, on ne peut pas cesser de parler des ODD avant de le lire. Et vous trouverez que les ODD, c'est un chapitre d'une stratégie. Ça se lit assez bien, je vous promets. Vous pouvez vous plaindre à l'adresse email générique des Nations Unies si vous n'arrivez pas à la lire. Je vous assure que vous pouvez la lire et vous aurez une envie de vous y engager, parce que c'est votre monde. On parle beaucoup du monde du futur, le futur du monde. Pour moi, en tant que personne de l'ONU, ce n'est pas la même chose. Le monde du futur, c'est ce qu'on va trouver sur notre chemin si nous ne faisons rien. Le futur tel qu'on l'interprétait dans les années 1700, ce qui va arriver, une sorte de fatalisme, ça c'est le futur. Le futur du monde, c'est à nous de décider. Dans cet agenda,
il se cache exactement cette phrase, toute petite. Le futur du monde, c'est à nous de le décider. Et c'est tout. Je vous ai expliqué la stratégie, en gros. Voilà. La prochaine fois que vous voyez ce symbole, ou ça, vous aurez, que je porte toujours d'ailleurs, vous aurez une différente image de cette stratégie qui n'est pas un document illisible des Nations Unies ou des gouvernements abstraits ou des ministres des Affaires étrangères, pardonnez-moi, monsieur le conseiller, mais c'est un document que vous pouvez intérioriser et porter en avant, une bannière. Je vous invite à devenir tous et toutes des soldats du développement durable. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il reste quelques minutes. Je vais ouvrir la ronde de questions. Comment évaluez-vous la participation de la Suisse au niveau du pays avec les ODD? Il faut lui donner peut-être une marque. Oui. 9 sur 10. Pourquoi? Parce que la Suisse fait partie de ces pays. J'aurais jamais imaginé que je parlais de la Suisse devant le conseiller fédéral. Mais je peux parler en tant qu'onusien. La Suisse fait partie de ces pays que par rôle, par taille, par neutralité, par identité historique, ont besoin du multilatéral, du multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est une méthode pour que tout le monde soit sous le même pied d'égalité et tout le monde soit sûr. Il y a eu une question qui avait à faire avec un conflit, je ne parle pas l'allemand, pardonnez-moi, donc je n'ai pas tout saisi. La protection multilatérale contre le conflit est faite pour les petits, car les grands n'en ont pas besoin. Au contraire, si on est grand, on a plein de flingues, on aimerait qu'il y ait moins de règles, n'est-ce pas? Donc la participation de la Suisse a été toujours loyale, engagée, forte, et je dois dire aussi, du point de vue diplomatique, sincère. C'est que pas tout le monde peut se permettre de dire. Même avant l'adhésion aux Nations Unies, qui venait couronner effectivement par décision du peuple, une position diplomatique qui existait depuis bien longtemps. D'ailleurs, le début du multilatéralisme moderne s'est fait à Genève en 1919. Et ce n'est pas parce qu'il y avait un lac, parce qu'il y avait d'autres endroits qui faisaient... Il y avait Bruxelles d'abord. Bruxelles était le favori, si vous lisez l'histoire. Mais Genève a triomphé aussi parce qu'il n'y avait pas de tâche dans cette attitude suisse à concevoir le jeu international sur un pied d'égalité pour tout le monde. Et donc là que s'est construit cette base qui n'existait pas avant. Le multilatéralisme commence de manière organisée à Genève avec la Société des Nations. Il commence avec les émissaires des grandes couronnes pour la paix de Westphalie, donc on parle de 1400 et quelques, mais vraiment il prend forme à Genève en 1919 et c'est toujours pratiqué aujourd'hui à Genève d'une autre manière. Il y a un écrivain que j'ai eu chez moi à la Bibliothèque française qui a écrit un livre très intéressant qui parle carrément de deux ONU. Il parle de l'ONU politique avec ses problèmes à New York, et de l'ONU de tous les jours qui fait marcher les choses, qui fait des statistiques, qui fait des règles sous les sièges d'enfants, etc. etc. Il n'y a pas que l'Union européenne qui fait des règles à plein rythme, celle de Genève. Voilà. Voilà. Gibt es Fragen? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Bonsoir, Constantin Kokinos d'Athènes, de la Grèce. Vous louez la Suisse, et ça nous fait plaisir. Je vois une note 9 sur 10. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'autres pays qui reçoivent cette note. Toutefois, est-ce que vous pensez que la Suisse peut faire cavalier seul dans ce chemin vers un avenir de la planète? Ou elle peut marcher seulement avec l'Europe, ou ensemble avec l'Europe, ou avec le reste du monde? À cause de sa taille, pour des raisons historiques, pour tout ce que vous voulez, la Suisse, elle a été là où elle est aujourd'hui, donc avec le 9 sur 10. Peut-être l'Europe, elle est moins selon vous. Mais est-ce que la Suisse peut y aller en avant de seule? Merci. Tout d'abord, 9 sur 10 à la Suisse au sein des Nations Unies et du multilatéralisme. C'est là que je lui donne cette marque. Donc, je parlais de la Suisse au sein du Congrès de Nations.
Cavalier seul, c'est plus possible dans ce monde. Il est impossible d'être cavalier seul. Alors, il y a parfois des pays d'une autre époque, disons moderne, mais pas contemporaine, qui ont cru être seuls parce qu'ils galopaient tellement vite devant. Vous savez, quand vous êtes un leader, vous allez trop vite. C'est la même chose qu'être tout seul, parce que les autres, vous les avez laissés tellement en arrière. Là, c'était des cas, par exemple, dans la course aux armements, dans la course à la technologie, par exemple. Aujourd'hui, le système est intégré, il est lié, et il n'y a presque plus rien, je pense, qu'un pays peut vraiment dire, si je change cette variable, ça va changer pour moi et pas pour mes voisins. Un bien et un mal. L'Europe, moi je fais partie d'un secrétariat d'une autre organisation, qui est une organisation globale. L'Europe, l'Union européenne, en termes légaux, est une organisation régionale. Vous savez, peut-être quand on parle du futur, il faudrait aussi relativiser le présent. Ce qui existe aujourd'hui n'existera pas forcément dans 25 ans, 35 ans, 50 ans. Là, nous touchons à des choses comme cette stratégie qui touche vraiment à la vie des gens qui viennent au monde aujourd'hui, auxquels on laisse un monde dans un état qui n'est pas possible. Et donc, je trouve que le discours politique européen, pro-européen ou anti-européen et tout ça, et je vois très bien à quoi vous vous référez, je le trouve très contemporain. Je ne pense pas que ce discours-là va dégager le type de conscience dont on a besoin pour dessiner ce futur. Et ça, on le voit aussi dans d'autres domaines du multilatéralisme, les traités qui essayent de comprendre quelle stratégie il faut avoir pour le changement climatique, par exemple. Et ça, bon, l'interlocuteur après moi parlera plus en détail de ça. Mais il faut vraiment être un peu plus modeste aujourd'hui. Parler de climat aujourd'hui, avec les moyens qu'on a et les pièges politiques dans lesquels on se met les uns les autres, a un petit goût d'irresponsabilité, à mon avis. Parce que l'enjeu est de taille énorme. Et d'ailleurs, pas seulement pour les humains. Il faudrait que les humains se rendent compte que, comme espèce, nous sommes minoritaires. Nous faisons beaucoup de bouquins, mais si vous êtes un oiseau, vous avez une majorité, vous faites partie d'une espèce qui est décidément plus nombreuse que nous. Donc de quel droit? Donc je pense qu'il faut un peu plus de modestie en tant qu'espèce humaine quand on conçoit le futur de cette planète, parce que nous ne l'avons pas fabriqué de toutes pièces. Voilà, Francesco Pisano, merci beaucoup pour votre remarque, pour votre présentation. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Vielen Dank. Ja, wenn es ein globales Thema gibt, das besonders gerade jetzt, dieses Jahr, heiß diskutiert wird, ist das natürlich der Klimawandel. Und erst letzte Woche trafen sich nicht weit von hier Jugendliche aus der ganzen Welt hier in Lausanne zu einem Klimagipfel. Greta Thunberg ist im Moment, glaube ich, unterwegs in Richtung New York. Sie kann nicht hier sein. Dafür freue ich mich umso mehr auf die ausgewiesene Wissenschaftlerin, die sich seit Jahren mit der Materie befasst. Professorin für angewandte Klimatologie ist sie, Geografischen Institut der Universität Neuchâtel. Seit 1996 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft tätig und dazu als Dozentin an den Universitäten Lausanne, Genf und Neuenburg sowie an der EPFL. 2012 wurde sie zur ordentlichen Professorin an der Universität Neuenburg berufen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Bitte begrüßen Sie mit mir Martin Röbete. Danke. Merci beaucoup pour cette invitation parmi vous. Merci pour votre accueil. Je vais vous parler aujourd'hui des défis du climat. La question, c'est où en sommes-nous et où allons-nous dans les prochaines années. Donc, je vais vous faire un petit résumé de la situation.
En vous parlant d'abord de ce que nous connaissons en termes de chiffres, comment est-ce que les choses se sont déroulées et comment nous pouvons anticiper qu'elles vont se dérouler dans les années suivantes. Puis, brièvement, je traiterai des conséquences et de quelques exemples de solutions d'adaptation avant d'évoquer les causes des changements climatiques et puis, évidemment, les solutions par lesquelles on peut passer pour améliorer cette situation. Voici le premier graphique que je veux vous montrer, c'est les températures mesurées à l'échelle du globe depuis la fin du 19e siècle. La situation est absolument claire. Vous voyez que les températures augmentent et elles augmentent beaucoup depuis les années 70. On est aujourd'hui à peu près par rapport à la période antérieure avec le réchauffement d'origine humaine de l'ordre déjà d'un degré d'augmentation des températures. Évidemment, vous voyez que ça varie. Il y a une variabilité temporelle d'une année à l'autre. La principale explication à ce phénomène de variabilité entre les années à l'échelle du globe, c'est le phénomène El Niño. Il y en a d'autres. Il y a les émissions qui sont dues au volcanisme, par exemple les éruptions volcaniques. Là, je vous montre l'influence d'El Niño, donc cette région du Pacifique que plusieurs d'entre vous connaissent de tout près, se réchauffe à des intervalles de l'ordre de 5 à 7 ans approximativement. Et lorsqu'on est en année El Niño, il y a une telle surface du Pacifique qui est plus chaude que les autres années que ça joue un rôle pour la moyenne globale. Donc si vous regardez les derniers chiffres, les années 2015 et 2016 ont été particulièrement chaudes à cause du phénomène El Niño qui s'est ajouté, surimposé à l'augmentation due aux gaz à effet de serre. Donc logiquement, les années actuelles sont un peu plus faibles quand on est dans des années neutres ou de la Niña. Et puis on battra le prochain record de température dans une prochaine année El Niño qui ne tardera pas à venir. Ça, c'est pour la situation jusqu'à aujourd'hui. Si je regarde maintenant le futur, à gauche de ce graphique, entre 1950 et aujourd'hui, vous voyez le graphique précédent, le premier que je vous ai montré, mais qu'on a un peu dû tasser pour pouvoir vous montrer la suite qui ne sorte pas en direction du plafond ici. Donc vous avez deux exemples de ce qui pourrait se passer pour le futur. Le plus vraisemblable, c'est qu'on soit à proximité, malheureusement, de la courbe en rouge, parce que pour tracer la courbe en bleu, en fait, nous avons déjà manqué l'objectif. Il aurait fallu que nous réduisions déjà drastiquement les gaz à effet de serre dans les dernières années, ce que nous n'avons pas fait. Donc cette option-là est déjà fermée. Dans le meilleur des cas, ce que nous souhaitons, c'est que le monde parvienne à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour faire en sorte qu'on soit en dessous de la courbe rouge et non pas au-dessus. Maintenant, j'aimerais vous faire une comparaison parce que là, on parle en termes globaux. Je vous montre un lieu au hasard, la Suisse, avec la même série temporelle où vous voyez aussi l'augmentation des températures. Si vous regardez en gros le graphique, il a un peu la même allure. Les années les plus chaudes régionalement ne sont pas forcément les plus chaudes à l'échelle globale parce qu'elles dépendent d'autres facteurs. La variabilité interannuelle est un peu plus grande parce que l'échelle géographique n'est pas aussi importante. Mais il y a une autre chose qui différencie ce graphique du précédent. C'est l'échelle. Regardez l'échelle qui est indiquée sur la gauche, l'échelle verticale, et vous voyez qu'en Suisse, l'augmentation des températures depuis la fin du 19e n'a pas été de 1 degré, mais bien de 2 degrés. Donc en Suisse, on est dans une région où les températures augmentent deux fois plus vite qu'à l'échelle globale. Donc dans le monde, partout où vous habitez, on aura des valeurs qui seront différentes de la moyenne globale. Les deux principaux facteurs qui déterminent cet écart entre la moyenne globale et le lieu où vous vivez, ce sont premièrement la proximité à l'océan.
parce que les océans qui recouvrent les trois quarts de la planète, les océans ont une circulation interne qui va en grande profondeur, qui leur permet d'absorber une grande partie de l'énergie supplémentaire qui se trouve dans l'atmosphère. Donc les océans se réchauffent à de grandes profondeurs. On est capable aujourd'hui de montrer qu'à plusieurs kilomètres de profondeur, l'eau des océans s'est déjà énormément réchauffée, et cela a pour résultat qu'à proximité des océans, l'augmentation des températures est moindre par rapport à une région continentale. Et le deuxième facteur, c'est la latitude dans l'hémisphère nord surtout, où plus vous allez au nord de l'hémisphère nord, plus l'augmentation des températures est importante. Et ce qui détermine ce facteur-là, c'est surtout la disparition de la couverture neigeuse. En deux mots, lorsque vous avez une couverture neigeuse, une grande partie du rayonnement lumineux repart en direction du soleil, alors que lorsque vous n'avez plus cette couverture de glace ou de neige, le sol foncé va absorber l'énergie et vous aurez un réchauffement plus important. Donc très logiquement, en Suisse, on a à peu près le double des températures globales, de l'augmentation des températures globales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez la situation, si on est à 1 degré, on est à 2. Et logiquement, si on va à 2 degrés, qui est l'objectif de Paris, on aurait même espéré moins. Mais on n'y croit plus forcément, même si on essaye encore d'améliorer les choses pour que ça se passe. Et selon qu'on va arriver à 2, 3, 4 degrés, en Suisse, on sera approximativement au double. Alors je vous parle comme ça de quelques degrés. Peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose de concret finalement. S'il fait 2 degrés de plus, est-ce que c'est tellement grave? Eh bien oui, ça a toutes sortes de conséquences, en particulier le fait que les températures extrêmes se renforce et se renforce dans une ampleur qui est plus importante que la moyenne. Là, un seul exemple, Lucerne, qui n'est pas réputée pour son temps le plus ensoleillé et le plus chaud du pays, vous voyez qu'il était rare encore dans les années 60 à 70 à Lucerne d'avoir des journées où la température dépasse 30 degrés. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus fréquent et on n'a plus d'années sans de telles journées très chaudes. Et les journées tropicales, c'est un phénomène qui fait que vous allez avoir une souffrance de la population. Vous avez une augmentation de la mortalité pendant les périodes très chaudes, vous avez une augmentation des maladies, de l'inconfort, une perte de productivité. Selon la gradation de l'importance des phénomènes, ce sont des choses qui s'observent. Et le problème dans les situations de canicule par rapport à la santé humaine, ce n'est pas seulement les températures de la journée, mais beaucoup les températures de la nuit. Et évidemment, elles augmentent aussi de manière importante. Et puis, vous avez aussi l'altitude du zéro degré qui monte évidemment avec l'augmentation générale des températures, comme vous le voyez dans cette petite synthèse. Quelles conséquences en général, je vous disais, sur la santé humaine, mais peut-être que le plus visible quand on est dans un pays de montagne comme l'est la Suisse, mais peut-être encore plus quand vous êtes dans des pays tropicaux de montagne comme les Andes par exemple, comme le Népal, où vous voyez la réduction des glaciers. En Suisse, la réduction du volume de glace, de la surface des glaciers est extrêmement importante, mais elle l'est encore davantage, elle est encore plus rapide dans les pays tropicaux, parce que dans un pays comme le nôtre, à nos latitudes, on a toute la période hivernale pendant laquelle les glaciers ne fondent pas. Donc vous avez toutes sortes de conséquences, vous en aurez aussi sur la végétation, je n'ai pas le temps de m'étendre aujourd'hui, mais un point que j'aimerais discuter avec vous, c'est le fait qu'on n'a pas seulement une augmentation de la température, ce n'est pas seulement une question de réchauffement climatique, mais bien de modification climatique, parce que dès que vous augmentez la température, vous modifiez aussi les autres paramètres, et vous modifiez en particulier l'intensité des précipitations. Aujourd'hui, les précipitations, selon la région du monde dans laquelle vous vous trouvez, vont devenir plus rares,
plus abondante. Et l'exemple de la Suisse est là aussi très intéressant parce que les précipitations deviennent à la fois plus rares et plus intenses. Vous avez les deux côtés des extrêmes qui s'intensifient. Et je vous montre cette image-là parce que c'est la partie du Rhône en Suisse qui est la seule à être encore relativement sauvage. Pour vous dire que lorsque vous avez des précipitations intenses, il est très important d'avoir une zone dans les rivières, dans les fleuves, qui soit large pour absorber l'excédent de précipitations et éviter une forte vague qui provoque les inondations. Donc là, on est dans un bon exemple et on est en train évidemment de redonner de la place au cours d'eau. C'est le sens de la loi de 1991, mais ça prend beaucoup de temps. Et puis, dans une région de montagne, ce qu'on voit très souvent lorsqu'on a de violents orages, c'est pas seulement des inondations. Ça, c'est encore, voilà, ça fait des dégâts matériels, c'est une chose, mais les situations les plus à risque, et on l'a vu encore tout récemment en Suisse, c'est les situations de lave torrentielle où les orages emportent du matériel solide, c'est des coulées de boue, c'est des glissements de terrain, avec un phénomène qui les renforce, c'est que lorsque vous avez un fort orage en été ou en automne, en altitude, vous avez du matériel qui est disponible, du matériel rocheux qui est désolidarisé par la fonte du permafrost, du pergélisol, du sol qui est gelé en profondeur. On a chez nous toutes les techniques disponibles pour faire face à ce type d'événement. On est capable de prévenir les laves torrentielles, mais il y a deux limites. Les deux limites, c'est le temps qu'il faut pour installer ça sur tous les torrents d'une région alpine, sur toutes les rivières, même d'un si petit pays que la Suisse. Et puis l'autre limite, elle est évidemment financière, parce que ça coûte extrêmement cher. Donc on est capable, mais ce n'est pas du tout évident de pouvoir le faire. Le dernier paramètre climatique dont je veux vous parler, c'est la couverture neigeuse. Elle se réduit, bien évidemment. Aujourd'hui déjà, on a perdu sur le plateau approximativement 40 jours d'enneigement, non seulement sur le plateau, mais aussi à toutes les altitudes en montagne. Évidemment, ça se voit davantage là où vous aviez 60 jours auparavant. Si vous avez perdu 40 jours, il n'en reste plus beaucoup. En haute montagne, si vous aviez 200 jours de couverture neigeuse, et qu'aujourd'hui vous en avez perdu 40, le signal est peut-être moins fort, mais il est exactement le même. On a aussi la même perte de couverture neigeuse, et vous voyez qu'avec le réchauffement, elle va se renforcer. Cette couverture a disparu en partie à l'installation en automne et en partie au printemps. Deux fois plus vite au printemps, parce qu'au printemps, vous avez à la fois une couverture qui est moins épaisse, donc il y a plus de chances de fondre vite, et des températures qui sont plus élevées et une fonte qui va être plus intense, donc un phénomène qui est plus intense au printemps. Mais en même temps, du point de vue, par exemple, du tourisme, dans les Alpes, on a plus de problèmes avec la réduction de l'enneigement au début de la saison qu'à la fin de la saison. Et ça simplement à cause de notre organisation, de nos comportements humains, parce que le loisir qui utilise la neige, le ski et tout ce qui lui est lié, la tradition c'est de faire du ski à Noël. Peut-être que certains d'entre vous viennent dans les Alpes pour faire du ski à Noël. À Pâques, ça ne vous viendrait peut-être pas à l'idée. Bien souvent à Pâques, les conditions de ski sont excellentes, elles le sont de moins en moins à Noël. Donc paradoxalement, en fait, on a un problème de ce point de vue en début de saison. Et puis évidemment, il y a une énorme variabilité d'une année à l'autre qui a fait qu'on a mis passablement de temps pour produire les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure. D'autres phénomènes sur lesquels je ne m'étends pas, c'est tous les phénomènes extrêmes qui sont plus difficiles à démontrer d'un point de vue statistique, mais plus vous avez de chaleur, plus vous avez d'énergie dans un système, plus les événements extrêmes vont avoir le potentiel de se développer. Donc là aussi, on a évidemment un renforcement. Ailleurs sur la planète, et évidemment pas directement ici, et je le précise, on a le phénomène de l'augmentation du niveau des mers. Ce phénomène-là va prendre de l'ampleur, et ça c'est important que je vous le dise, pas seulement les prochaines décennies,
et même pas seulement ce siècle et pas seulement les prochains siècles. L'augmentation de température que nous générons aujourd'hui va continuer à augmenter le niveau de la mer pendant des millénaires, parce qu'il faut du temps pour que l'ensemble de la glace fonde, et il faut encore plus de temps pour que les océans s'adaptent aux températures actuelles ou aux températures futures et prennent le volume qu'impliquent ces températures. Donc là, ça va prendre des millénaires et on va avoir des dizaines de mètres de changement par rapport au niveau des mers. Pour ce siècle, les dernières projections nous montrent à peu près un mètre d'augmentation et du point de vue humain, du point de vue des villes qui sont quand même pour les populations humaines majoritairement installées à proximité des mers, c'est une conséquence qui est extrêmement importante et qui va être mondiale. Ça ne va pas juste être une conséquence locale, les répercussions seront bien évidemment mondiales. Le dernier point que je veux traiter avec vous aujourd'hui, c'est l'augmentation de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la cause du réchauffement actuel, principalement le gaz carbonique. Et on a l'habitude dans notre domaine de parler d'équivalent CO2, puisque tous les gaz ont des puissances qui sont différentes, des temps de résidence dans l'atmosphère qui sont différentes. Un seul exemple, le CO2, lorsqu'il est émis dans l'atmosphère, il va prendre plus d'un siècle pour se remettre dans le système, dans le cycle du carbone. Donc ce que nous émettons aujourd'hui, il y en a pour plus de 100 ans, d'où l'importance d'agir rapidement. Je vous montre à l'échelle du million d'années, vous voyez que dans les systèmes naturels, la teneur en CO2 a varié selon les époques glaciaires ou interglaciaires, on était entre 180 et 280 ppm, parties par million, et aujourd'hui, avec l'utilisation massive du carbone disponible sur la planète qui va dans l'atmosphère, on dépasse 400, et au rythme où on y va, on sera bientôt à 1000 ppm, donc on sort complètement de ce qu'on connaissait auparavant. Là aussi, les solutions existent, on est tout à fait capable aujourd'hui, on a développer des techniques qui nous permettent de construire et d'avoir du bâti qui consomme aucune énergie, au contraire, qui en fournit de l'énergie supplémentaire pour la mobilité. En Suisse en particulier, les techniques sont tout à fait suffisamment avancées. Je vous montre cette image parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup du solaire photovoltaïque et on a un peu mis de côté une technique qui est extrêmement efficace, qui est le solaire thermique. Le solaire thermique est l'énergie peut-être la plus facile à acquérir, la moins chère et techniquement la plus facile à organiser, et ça dans tous les pays du monde. En Suisse, ça a été évoqué tout à l'heure, la loi sur le CO2 jusqu'à aujourd'hui a permis de passablement progresser du point de vue de l'habitat. Quand même, il s'est passé 30 ans, on a fait des progrès. La Suisse est peut-être le pays des petits pas, je dirais plutôt des pas de souris, mais enfin bon, des pas quand même. Dans la mobilité, on a au contraire encore augmenté les émissions de CO2 pour des raisons qui sont bien connues. Mais j'aimerais aller plus loin que les émissions sur notre territoire. Par personne, en Suisse, nous émettons approximativement 6 fois plus qu'une personne dans un pays en développement et 2 à 3 fois moins que les pays qui émettent le plus, comme les États-Unis ou des pays du Golfe, par exemple. Mais si vous déduisez les émissions qui sont dues en fait à nos exportations et qui ne devraient pas forcément être imputées à notre pays, mais que vous ajoutez les émissions que nous générons à l'étranger, regardez, c'est le graphique de droite, la partie grise. En fait, la Suisse est le pays le plus extrême au monde du point de vue des émissions générées par ses habitants à l'étranger. Nous sommes un pays de services et les biens manufacturés, la nourriture est beaucoup importée. Je vous le donne en mille, quel est le pays le plus extrême à l'autre bout, le pays qui en fait a plus d'émissions imputées à son territoire que la vraie consommation de ses habitants, bien sûr, c'est la Chine ou les autres pays qui nous fournissent leurs biens. Donc la responsabilité de la Suisse ne s'arrête pas à son petit territoire et puis à le rendre bien propre. Elle ne doit aussi avoir une action par rapport à sa délocalisation en termes d'émissions. Et le principal facteur d'émissions
à l'échelle planétaire, 25%, 20 à 25% des émissions de gaz à effet de serre sont générées aujourd'hui par la déforestation. Donc si vous agissez comme citoyen responsable, comme mon collègue l'a évoqué tout à l'heure, que vous faites attention dans tous les domaines qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre, je ne vais vous donner qu'un seul exemple, j'ai peu de temps. Si vous êtes un citoyen conscient qui se dit « c'est important de ne pas manger trop de viande parce que ça génère beaucoup de gaz à effet de serre, en plus ce n'est pas bon pour ma santé, etc. » Ok, alors vous allez acheter un peu de viande locale produite à côté de chez vous et puis vous dites « là je fais vraiment un geste citoyen et j'émets très peu de gaz à effet de serre. » Ok, mais si le bœuf que vous mangez a consommé un fourrage avec de l'huile de palme, cette huile de palme a détruit les forêts tropicales et l'effet est dévastateur. Donc on peut agir à l'échelle du citoyen, à l'échelle locale, à l'échelle régionale, mais on doit aussi agir à l'échelle politique, parce que un des principaux moteurs des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'huile de palme qui génère la destruction des forêts tropicales. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. J'espère vous avoir donné quelques pistes pour le futur. Si vous voulez en savoir plus, j'ai publié ce livre qui se lit très rapidement. C'est vraiment très, très synthétique et j'en suis d'autant plus fière qu'il a été traduit dans les deux langues nationales. Si vous le souhaitez, vous en trouverez aujourd'hui quelques exemplaires à la réception. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci pour la traduction. Merci beaucoup, Martine Revetté. Merci. Il reste une minute pour une question. Gibt es eine dringende Frage? Dann geben wir Ihnen jetzt gern die Gelegenheit. Und sonst bin ich extrem froh, dass ich gesehen habe, dass es ja tatsächlich noch lesenswertes Material dazu gibt. Sehr, sehr lesenswert und sehr lernenswert. Vielen Dank für Ihren Besuch hier am Kongress. Dankeschön, Martine Revetté. Merci. Ja, den Klimawandel haben wir jetzt sehr beeindruckend gesehen. Es ist immer wieder eine spezielle Situation, wenn man die Bilder auch sieht. Dann gibt es einen ganz anderen Kontext. Ja, wir sind inmitten eines Veränderungsprozesses, sprich in der Phase auch einer digitalen Transformation. Und die wesentlichen Treiber, die kennen Sie, die tragen Sie sehr wahrscheinlich auch irgendwo bei sich in der Tasche. Vernetzung überall, das Internet, wenn ich hier in die Reihen schaue, immer wieder mal zückt jemand das Smartphone, das ist online, wir sind alle online 24 Stunden. Schön, wenn wir uns mal offline nehmen, mindestens in diesen paar Stunden, wenn wir schlafen. Es wird immer alles kleiner, es wird billiger. Gleichzeitig alles schneller mit der Verarbeitung der Technologien. Die Sensoren werden immer kleiner und erschwingenswerter. Also es wird alles schneller und in Anführungszeichen besser. Gleichzeitig natürlich eine riesige Herausforderung, zum Beispiel auch für den Tourismus. Was heißt das für den Tourismus? Auf einer globalen Ebene oder vielleicht sogar einer lokalen Ebene? Airbnb, TripAdvisor, Sie kennen die Sache. Schön, dass wir dazu den Vizedirektor von Schweiz Tourismus bei uns haben. Begrüßen Sie bitte mit mir Urs Eberhardt. Okay. Sehr verehrte Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es ist mir wirklich eine große Ehre, Ihnen heute die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Tourismus im Allgemeinen und auf Schweiz Tourismus im Besonderen näher zu bringen. Bevor ich beginne, möchte ich mir einfach erlauben, ein paar Zahlen zum Tourismus, zu dieser Tourismuswirtschaft in der Schweiz anzubringen. Es sind 260.000 Arbeitsplätze, besonders in den Berg- und ländlichen Regionen. Wir generieren mit dieser Wirtschaft etwa 50 Milliarden Schweizer Franken. Und ein Punkt schon hier, jeder sechste Gast in der Schweiz ist irgendwie durch die sozialen Medien beeinflusst worden, seine Ferien in der Schweiz zu verbringen. Unsere Organisation gibt es seit über 100 Jahren. Wir sind ein Jahr jünger als die ASO. 1917 wurde es gegründet, um die Schweiz als Ferien- und Kongressdestination in aller Welt und auch in der Schweiz zu bewerben. Heute tun das 240 Mitarbeitende an 33 Standorten in 26 Ländern. Nun aber zum Hauptthema.
die Entwicklung des Tourismus im digitalen Zeitalter. Und es sind fünf Themenblöcke, die uns hier beschäftigen. In der Reisebranche herrschen die großen Global Players. Sie kennen sie. Es sind die Bookings.com, Expedia, Airbnb, aber auch Konzerne wie Amazon und Google, die stoßen in die Reisebranche vor und dürfen nicht vergessen die ganz, ganz großen Konzerne in Asien, wie zum Beispiel Alibaba. Diese Player haben enorme Budgets und weiten ihr Angebot auch stets aus. Da können Sie bei Airbnb zurzeit auch Erlebnisse buchen, also nicht nur die Ferienwohnung. Diese Konzentration, die führt zu Abhängigkeiten und die Schweizer Leistungsträger haben oft keine andere Wahl, als hier mitzumachen und die steigenden Kommissionen zu bezahlen. Ein zweiter Themenblock, das ist die Vertrauensrevolution. Diese Digitalisierung, die führt zu einer noch nie dagewesenen Transparenz und einer damit hergehenden Vertrauensrevolution unserer Gäste. Kundenbewertungen werden mehr Glauben geschenkt als Aussagen von Experten. Und es gehört auch zum Standard, dass User-Generated Content, also Kundeninhalte, auf den offiziellen Seiten der Tourismusorganisationen zu finden sind. So zum Beispiel auch auf unserer Webseite myswitzerland.com, wenn Sie Montreux-Veuve suchen, dann finden Sie tagesaktuelle Bilder aus den sozialen Medien genau zu diesem Standort. Dann ein dritter Punkt, das ist die Visualisierung. Digitale Inhalte, die sind nicht stark, im Gegenteil, immer mehr werden sie zum Leben erweckt, mit virtueller und erweiterter Realität und die Ansprüche an die Darstellung von Informationen, die steigt unerbittlich. Beschrieb man vor 30, 40 Jahren die Schweiz vor allem in poetischen Texten, kamen bald mal Bilder dazu, dann Filme. Und heutzutage ist es immer mehr VR und AR, also Virtual Reality and Augmented Reality. Dann ein vierter Punkt, das war schon immer so, der Gast, der steht im Mittelpunkt. Aber die digitale Kommunikation erlaubt eine sehr direkte, individuelle Ansprache von definierten Zielgruppen. Streuverluste, die werden weitgehend vermieden. Und mit dieser Technik kann man wirklich im Marketing ganz genau die Leute ansprechen. Man kann die Leute lenken, die man ansprechen will. Wir haben eine ganze Reihe von Interessengruppen definiert, die wir ansprechen möchten in verschiedenen Märkten, vom Naturliebhaber bis zum Städtereisenden, vom Luxusgast bis zum Organisator, vom Meetings, vom Kulturliebhaber bis zur Familie. Dann ein fünfter Punkt, ein fünfter Themenblock. Die digitale Transformation ist mehr als nur ein System. Das gilt übrigens auch für alle anderen Branchen, nicht nur für den Tourismus. Um die volle Wirkung zu entfalten, muss eine innovationsfördernde Unternehmenskultur vorhanden sein, sonst klappt das mit dieser Digitalisierung nicht. Was heißt das nun für unsere Firma, für Schweiz Tourismus? Für uns sind drei Aspekte in dieser Digitalisierungsdiskussion besonders wichtig. Es ist die Gästekommunikation, also wie sprechen wir mit unseren Gästen, wie können wir sie zum Träumen veranlassen. Dann das Zweite, welcher Nutzen hat die gesamte Branche dank dieser Digitalisierung? Und dann natürlich auch, wie können wir produktiver und effizienter werden? Die Digitalisierung in unserer Firma, die ist allgegenwärtig. Von internen Prozessen in der Buchhaltung bis zur Informationsvermittlung, zu Dienstleistungen, zu Umsetzungen, Marktforschung, Reportingskommunikation bis zum Marketing. Und ich zeige Ihnen ein paar konkrete Beispiele, das ist ein bisschen einfacher auch zu vermitteln. Waren es früher Telefonzentralen, die ein paar hundert Leute informiert haben, ist es heute eine Webseite. myswitzerland.com empfängt jedes Jahr über 32 Millionen Menschen aus aller Welt, die hier Information holen. Ein anderes Beispiel im Bereich Services, die Digitalisierung, die macht es möglich, dass Gäste unsere Gäste beraten. Freiwillige und passionierte Schweizkenner sind bereit, auf Chatsystemen, um Gäste, die Information über unser Land wollen, zu beraten. Dann intern Services, Inhalte können digital
bearbeitet werden. Wir können sie übersetzen, wir können sie mit Filmen und Bildern ergänzen und wir können sie wieder zurückspielen in die Destinationen und die Regionen. Die Inhalte werden nur einmal zentral aufbereitet, stehen dann aber allen Leistungsträgern in der Branche zur Verfügung in großer Sprachvielfalt mit Bild und Film. Oder die Augmented Reality. Wir haben hier eine Karte auf dem Boden. Wenn Sie mit dem Telefon oder mit dem Tablet darüber laufen, dann poppt die Schweiz auf, dreidimensional. Der Gast kann die Schweiz bereits vor Ort dann virtuell erleben und kann sich ein Bild machen, wie das dann ausschaut, wenn er kommt. Und die Maschinen, die lernen dazu. Dank künstlicher Intelligenz müssen unsere Mitarbeitenden nicht mehr Zehntausende von Bildern zurechtschneiden, dass das Schloss Chillon immer in der Mitte ist. Ob das Hochformat, Querformat, rund oder viereckig ist, die künstliche Intelligenz, die macht das für uns und das Schloss ist immer schön in der Mitte. Daten lassen auch ganz, ganz neue Formen der Darstellung und damit auch der Analyse zu. Instrumente wie Management-Informationssysteme erlauben uns zeitnah Resultate der Kampagnen zu erhalten oder Veränderungen auch im Kundenverhalten zu erkennen. Den größten Hebel aber mit der größten Auswirkung hat die digitale Community. Ich bin sicher, Sie haben auch ganz viele Bilder gemacht von dieser wunderschönen Landschaft hier und Sie schicken sie nach Hause zu Ihren Freunden, Bekannten in Ihrem privaten und beruflichen Umfeld. Jährlich werden Hunderte von Millionen von Bildern der Schweiz irgendwo geliked oder mit positiven Kommentaren versehen. Darunter hat es natürlich viele bekannte Sujets wie das Matterhorn oder die Kappelbrücke oder den Glacier-Express. Aber es ist unser Ziel, Gäste zu lenken und nicht die Gäste alle an einem Ort zu haben, sondern die Schönheiten der Schweiz auch zu teilen und die Leute an Orte zu bringen, die vielleicht ein bisschen weniger bekannt sind. Wir machen sie zum Beispiel auf Sujets aufmerksam, wie eine Gletscherwanderung auf dem Aletschgletscher oder auf die größte Gabel der Welt in Vevey oder das höchste Theater, das Oregon Festival auf dem Juliet-Pass, den Weitwanderweg, den ältesten Weitwanderweg, den Jura-Höhenweg, das hellste Hotel der Schweiz am Bodensee oder das dunkelste Hotel auf dem Gotthard, La Claustra, den kleinsten Weinberg der Schweiz in Saillon, die steilste Standseilbahn der Welt auf den Stoss, die längste Hängebrücke in Zermatt oder die Schafparade am Gemmipass. All diese Bilder beweisen einmal mehr, die Schweiz ist das fotogenste Land der Welt. Man kann keine schlechten Fotos machen in diesem Land. Oder auf gut Englisch, it's the most Instagrammable country in the world. Und das ist eben genau das, was die Millionen von Fans und Followers unserer Social-Media-Kanäle tun. Sie haben eines gemeinsam, sie sind verliebt in die Schweiz. Und die digitalen Kanäle helfen, diese Liebe dann wirklich auch rauszutragen. Mein Fazit, die Digitalisierung hat große Auswirkungen auf den Schweizer Tourismus. Sie bietet aber auch enorme Chancen und Möglichkeiten, die bisher überhaupt nicht denkbar waren. Es ist aber ein konstanter Lernprozess, es gibt viele Herausforderungen. Digitalisierung ist auch nicht billiger, als es früher war. Aber diesen Herausforderungen begegnen wir auf Augenhöhe und einem gesunden Menschenverstand. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Die Digitalisierung wird uns sicher auch noch im zweiten Teil nach 16 Uhr weiter beschäftigen, auch hier auf der Bühne. Das war mal ein erster guter Input anhand eines konkreten Beispiels. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Urs Eberhard war das. Ja, beim nächsten Thema wird es sehr konkret, weil jetzt geht es um uns und gleichzeitig ist es ein hochwissenschaftliches Thema. Der Mensch von morgen. Wer sind wir denn in 10, 20 Jahren? Natürlich immer noch aus Fleisch und Blut, aber sehr wahrscheinlich wissen wir viel mehr von uns. Ich darf Ihnen als nächstes Vincent Crozet vorstellen. Er ist Neurogenetiker an der Universität Oxford und es freut mich sehr, dass er auch im Auslandschweizer Rat Mitglied ist. Vincent Crozet studierte an der Universität Lausanne
wo er einen Bachelor in Biologie und einen Master in Genomik und experimenteller Biologie erworben hat. In seiner derzeitigen Tätigkeit, mittlerweile ist er doktoriert am Center for Neural Circuits and Behavior der Universität Oxford in Großbritannien, führt er Forschungen zu den genetischen Mechanismen durch, die an der Funktion der neuronalen Netze des Gedächtnisses beteiligt sind. Sie sehen, das ist wirklich mehr als Rocket Science. Hier geht es ums Gehirn, hier geht es um neuronale Netzwerke. Bitte begrüßen Sie hier bei uns Vincent Crozet. Dankeschön. Merci. Voilà, bonjour, merci à tous. Merci pour l'invitation aussi. J'aimerais commencer par des excuses pour toutes ces dames. Nous avons été un peu lost in translation ici, et mon titre en français devrait être l'humain de demain et non pas l'homme de demain. Désolé pour ça. Pour commencer, je vais vous proposer de prendre une petite minute pour faire une petite réflexion. Et de vous imaginer, vous pouvez voyager dans le temps, et vous vous rendez dans le futur, vous arrivez au Congrès des Suisses de l'étranger 2119. Apparemment, je crois qu'on ne sait pas encore où ça sera. Et puis, évidemment, on va quand même encore parler de l'e-voting à ce moment-là, on parlera sûrement encore des banques. Mais à quoi ressembleront les gens qui participeront à ce congrès? Est-ce qu'ils seront comme nous? Est-ce qu'ils seront plus petits, plus grands? Est-ce qu'ils seront en meilleure santé? Est-ce qu'ils seront plus malades? Est-ce qu'ils seront remplacés par des robots? Est-ce qu'on connaîtra tous leurs codes génétiques? Est-ce qu'ils sauront à l'avance de quoi ils vont mourir? Il y a quelques mois, on m'a demandé donc de vous parler de l'humain de demain. Et depuis, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Voyez-vous, nous, les scientifiques qui étudions le vivant, nous ne sommes pas vraiment habitués à prédire l'avenir. Nous nous concentrons sur des questions qui sont actuelles maintenant. Quelles sont les voies métaboliques impliquées chez un patient diabétique, là, maintenant? Et dans mon cas, comment les neurones du cerveau se connectent entre eux pour créer des souvenirs? Là, aujourd'hui, les souvenirs de cette journée. Alors, voilà, c'est assez compliqué. Et puis, demain est aussi un terme vague. Hein. Demain, pour la plupart des intervenants que nous avons eus ce matin, c'est le 20 octobre. Pour la plupart des scientifiques, demain se situe à la fin de leur financement ou à la fin de leur contrat, ce qui est un peu un problème, mais c'est un sujet pour un autre jour. Et pour la science avec un grand S, celle qui dépasse l'échelle d'un simple individu, demain est définie par les grandes découvertes qui changeront l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, je n'aurai pas le temps de vous exposer toutes les avancées technologiques qui ont le potentiel de changer l'humanité. Je vous parlerai donc principalement de génétique, déjà parce que c'est ma spécialité, et puis aussi parce que c'est la génétique qui définit qui nous sommes et qui, du coup, aura la capacité de définir qui nous serons dans le futur. Je vais tenter de répondre à trois questions que les gens posent souvent à propos de la génétique. Premièrement, est-ce que la génétique nous permettra, dans le futur, de transformer l'humain pour lui donner des capacités qu'il n'a pas encore? La deuxième question, comment est-ce que, dans le contexte de la médecine, la génétique pourra nous aider à guérir certaines maladies? Et puis, troisièmement, comment est-ce que la génétique peut nous aider, dans la vie de tous les jours, à être en bonne santé? Mais tout d'abord, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que la génétique? Alors, la génétique, chacune de nos cellules contient de l'ADN. On peut considérer l'ADN comme un mode d'emploi pour les protéines que nous avons dans nos cellules, qui nous constituent et qui sont en fait les machines qui nous font fonctionner, qui font fonctionner nos cellules et nos corps. Et puis, l'ADN entre les êtres humains est très, très similaire d'une personne à l'autre. Mais il y a quand même de petites différences qui font que nous avons tous l'air différent, déjà physiquement, mais aussi qui font que nous avons des différences dans la manière, dans notre métabolisme, dans la manière de réagir à certaines maladies, etc. Alors, vous n'avez pas besoin de savoir plus que ça sur la génétique. Les autres détails, on va essayer de s'en passer pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on pourrait modifier notre ADN artificiellement pour nous rendre meilleurs, plus forts, plus résistants? Alors, le 26 novembre 2018, une nouvelle a fait un peu l'effet d'une bombe dans les milieux scientifiques, même si, à mon avis, on n'en a pas assez parlé dans les médias traditionnels. Un scientifique chinois a annoncé la naissance des deux premiers bébés manipulés génétiquement. Son but était d'utiliser une méthode appelée CRISPR en anglais pour rendre ces bébés nés de parents séropositifs résistants au virus HIV. Pour cela, il a inactivé un gène que le virus utilise pour rentrer dans les cellules. Si ce gène est inactivé, le virus ne peut pas rentrer dans la cellule et du coup, pas d'infection. Alors, ça a l'air d'être une super idée, mais derrière cette idée se cachent beaucoup de problèmes. Premièrement, tout simplement des problèmes éthiques. Dans le cas de ces bébés CRISPR, comme on les appelle, CRISPR babies,
on a modifié des embryons. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que toutes les cellules du corps de ces bébés, lorsqu'ils grandiront, toutes ces cellules comporteront la modification qui a été faite, inclus leurs cellules reproductives. C'est-à-dire que toute la descendance de ces deux bébés sera affectée par cette modification qui a été faite par les scientifiques. Est-ce qu'on leur a demandé leur consentement? Eh bien non. Et ça, c'est un grand problème. À cela s'ajoutent des problèmes techniques plutôt graves. Le premier, c'est que CRISPR, c'est une excellente méthode qui permet de choisir avec précision une certaine région de l'ADN qu'on voudrait modifier. Alors, très bien. Mais il a été démontré aussi récemment que potentiellement d'autres régions de l'ADN peuvent être affectées au hasard. Et ça peut amener à des complications dans d'autres gènes. Oups. À cela s'ajoute le fait que le gène qui a été désactivé chez ces bébés peut-être a encore des fonctions que l'on ne connaît pas dans la réponse immunitaire, et ça, ça pourrait aussi être un grand problème pour la santé de ces deux personnes dans le futur. Alors, est-ce que ce chercheur est allé trop loin? Évidemment, oui. Il a été critiqué de manière très globale par toute la communauté scientifique, qui a vraiment dit « non, là, tu es allé trop loin ». Mais il a pris un peu tout le monde par surprise aussi. Mais il a prouvé une chose. Il est maintenant possible, scientifiquement et technologiquement, de modifier des embryons humains. Et ça, ça ouvre la porte à tous les scénarios de science-fiction. Imaginez, on pourrait corriger toutes les maladies avant, juste après la fécondation. On pourrait avoir des générations de gens qui ne sont pas plus malades, c'est génial. Mais on pourrait se dire, tiens, pendant qu'on y est, on va aussi changer la couleur des yeux de notre enfant. Et pourquoi est-ce qu'on ne le rendrait pas plus beau, plus fort, plus grand, plus intelligent? Alors, rassurez-vous. Pour l'instant, la tendance est plutôt à l'interdiction de telles interventions sur des êtres humains. L'Organisation mondiale de la santé est en train de travailler sur des recommandations internationales sur ce sujet, et il reste à espérer que ces CRISPR babies ne soient qu'un accident de l'histoire et ne deviennent pas une norme. Mais il faudra rester très vigilant à l'échelle mondiale pour que ce genre d'idées ne rentre pas dans certains programmes politiques douteux. Mais alors, par quel autre procédé, un peu plus acceptable, pourrions-nous utiliser la génétique pour être en meilleure santé? Si la modification d'embryon est hors de question, il est toutefois possible d'utiliser ce qu'on appelle la thérapie génique. Ici, pas question de modifier un embryon. On va s'intéresser à réparer ou remplacer un gène défectueux, mais uniquement dans un organe bien particulier. La première application de cette technique chez l'être humain date de 1992, mais il faut dire que malgré les promesses, la thérapie génique peine encore à s'imposer. Ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, les scientifiques des années 90 n'avaient pas encore vraiment anticipé plusieurs obstacles techniques qui font que ces thérapies se sont souvent avérées soit pas assez efficaces, soit les patients ont développé des effets secondaires qui ont été un peu inattendus. Et puis, il faut aussi mentionner le coût de ces thérapies, qui est en général de 400 000 à 2 millions de dollars par patient. Pour être avec nous, on se demande encore un peu comment on va pouvoir financer tout ça. Puis un autre problème, c'est que pour la plupart des maladies connues, il n'y a pas seulement un seul gène ou une seule variation dans l'ADN qui en est responsable. Plusieurs variations doivent être associées ensemble avec des facteurs externes, c'est-à-dire l'environnement ou le mode de vie des personnes, pour peut-être augmenter de quelques pourcents la probabilité de développer une maladie. Alors ça rend la recherche assez compliquée. Alors, comment est-ce qu'on peut se dire, tiens, on va essayer d'identifier les gènes qui sont impliqués dans une telle maladie? Alors, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est prendre des patients sains, prendre des patients malades, et puis regarder leur ADN, essayer de le comparer, essayer de trouver des différences. Mais pour être honnête avec vous, ce genre d'étude a souvent procuré des résultats un peu décevants. Par exemple, l'année passée, il y a une étude de ce genre sur la schizophrénie qui a identifié 33 régions de l'ADN qui pourraient être impliquées dans cette maladie, mais qui finalement, chacune de ces régions individuellement ne fait que d'augmenter la probabilité que de quelques minuscules pourcents. Et finalement, aucune de ces régions n'explique vraiment pourquoi certaines personnes développent la schizophrénie. Alors, il y a une autre méthode qui consiste à quantifier l'activité de ces gènes. Donc, comment ça marche? Lorsque un gène, lorsqu'une cellule décide de fabriquer une protéine, cette cellule va d'abord copier la partie de l'ADN qui est en fait le mode d'emploi de la protéine en question. Et cette copie va s'appeler la RN. Et en quantifiant l'ARN dans un tissu donné, on peut ensuite savoir quels sont les gènes qui sont actifs dans ce tissu. Et puis, alors ça, c'est une technique
qui est vraiment très prometteuse. Et depuis quelques années, on peut même faire ça, non pas à l'échelle d'un organe, mais on peut le faire ça à l'échelle de plusieurs dizaines de milliers de cellules individuellement. Et ça permet de voir à l'intérieur d'un organe comment les différents types de cellules répondent à une maladie et se comportent. Alors de nouveau, on va chercher des différences entre des patients sains et des patients malades. Et une récente étude, qui a d'ailleurs été menée par un Suisse de l'étranger à Harvard, a étudié la maladie d'Alzheimer et permis de mieux identifier comment chaque différent type de cellules que nous avons dans notre cerveau répond à cette maladie. Et a d'ailleurs aussi identifié des différences très intéressantes entre les hommes et les femmes sur la manière dont les cerveaux répondent à la maladie d'Alzheimer. Alors, que retenir ici? Premièrement, lorsque vous entendrez dans les médias ou sur Facebook ou autre qu'on a trouvé le gène de telle maladie, méfiez-vous. Souvent, c'est un gène qui a peut-être une possibilité d'augmenter la probabilité d'avoir une maladie. Mais néanmoins, la recherche en génétique est quelque chose qui est en plein boom. Et puis, nous avons la technologie de nos jours qui nous permettra de nombreuses découvertes dans le futur et qui permettront peut-être des avancées et qui nous permettront aussi de mieux comprendre certaines maladies. Alors, soigner des maladies occupe énormément de scientifiques, coûte énormément d'argent, mais ne serait-il pas encore plus simple d'agir en amont et avant que les gens tombent malades? Alors, bien sûr, ça s'appelle la prévention. C'est un élément capital de tout système de santé qui fonctionne. Alors, on connaît tous la prévention, on en reçoit tous des messages de prévention à longueur de journée. Fumez-tu, sortez couvert, mangez 5 fruits et légumes par jour, etc. Alors ça, c'est des messages qui s'adressent à toute la population parce qu'ils induisent des comportements qui sont universellement bons pour la santé. Alors que vient faire la génétique dans tout ça? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons tous un ADN qui est unique. Et par conséquent, notre métabolisme est toujours un petit peu différent d'une personne à l'autre. Jusqu'à présent, une grande partie de la recherche s'est concentrée sur la moyenne entre plusieurs participants à une étude. Et souvent, on a négligé l'importance des différences qu'il y a entre les personnes. Et souvent, quelque chose qui peut être valable d'une personne, ce qui est vrai pour une personne peut aussi l'être pour une autre, mais pas forcément. Alors, cette constatation a amené certains à réfléchir et à se dire, on pourrait trouver une nouvelle approche qui prendrait en compte la génétique de chacun. En gros, si l'on connaît la séquence de votre ADN, on pourra savoir votre susceptibilité à certaines maladies, et on pourra vous conseiller un style de vie qui va éviter que certaines maladies ne se développent chez vous. Alors, on peut penser premièrement à l'alimentation, on pourrait vous dire quoi manger, etc. Et puis, on peut aller encore plus loin que juste l'alimentation. On pourrait vous recommander d'aller vivre plutôt à la mer ou plutôt à la montagne. On pourrait imaginer de vous recommander le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin par nuit. Ou simplement le type d'exercice qui est le mieux adapté à votre métabolisme, à votre physiologie, etc. Et puis finalement, en plus de la prévention, pour aller encore plus loin, la médecine personnalisée a de beaux jours devant elle. Elle permet de traiter les patients plus efficacement et donc de raccourcir les séjours à l'hôpital, de diminuer les risques de rechute, etc. Alors même si les bénéfices en termes de santé et de prévention semble important, et même si de nos jours connaître la séquence de l'ADN d'une personne coûte désormais moins de 1 000 $, il y a encore des problèmes qu'il faudra régler. Premièrement, beaucoup de gens ne veulent tout simplement pas savoir. Il peut être émotionnellement lourd d'apprendre qu'on a une grande probabilité d'avoir une maladie mortelle. Alors il est important que chaque individu puisse encore garder le droit de ne pas savoir. Et puis, nous vivons évidemment dans un monde où les données sont un sujet sensible. Que votre médecin connaisse votre profil ADN pour vous prescrire le bon médicament, c'est peut-être une bonne chose, mais je pense que personne dans cette salle n'a envie de partager cette information avec son patron, avec son assureur ou avec les journalistes publics. Il est donc important, si l'on décide d'orienter notre approche de la santé vers une médecine personnalisée, que nous réglions ces problèmes de vie privée avant de nous y lancer tête baissée. Alors, l'humain de demain utilisera-t-il la génétique pour influencer son mode de vie? Moi, j'aimerais vous dire que oui, car les bénéfices peuvent être extrêmement importants, mais avec la nécessité de faire très, très attention. Alors, pour conclure, si vous ne deviez retenir qu'une chose de ma présentation aujourd'hui, j'aimerais que ça soit ceci. La recherche en génétique et en médecine en général est quelque chose de fascinant.
qui ne sert pas non plus, non seulement qu'à nous soigner, mais qui a aussi la capacité de nous aider à comprendre qui nous sommes. Cette recherche pourrait avoir des avantages gigantesques sur la société du futur, mais son impact pourrait aussi s'avérer désastreux si l'on ne gère pas correctement son utilisation. Alors que faire pour être certain que ça ne tourne pas à la catastrophe? Premièrement, il faut prendre son temps. Et la Suisse est plutôt bonne dans ce domaine. Il est donc important d'informer les gens sur ce que la génétique peut et ne peut pas faire pour eux. Il est important que les mentalités évoluent au même rythme que la recherche. Et notre société a besoin d'un réel débat sur la vie privée et les données biologiques. Et il faut que ce soit un débat dans lequel on écoute les experts. Et deuxièmement, tant que la société dans laquelle nous vivons permet encore des inégalités au niveau de l'accès à la santé, il y aura toujours des catégories de personnes qui seront plus malades que d'autres. En améliorant la qualité de la prévention et des traitements uniquement pour la partie de la population qui pourrait se le permettre, nous ne ferions qu'augmenter ces inégalités et ça pourrait être catastrophique pour l'humanité. Et pourtant, la santé coûte de plus en plus cher et son financement pourrait être un casse-tête pour les générations futures. Il est donc capital que l'humain de demain soit un humain responsable. On le voit déjà aujourd'hui. Les gens prennent de plus en plus conscience de l'importance de manger sainement, de faire de l'exercice, de prendre soin de leur corps et aussi de leur esprit. Et cela ne doit pas juste être un effet de mode. Nous n'avons qu'un corps et il est capital de le traiter avec respect. Nous devons avoir une approche positive de ce que nous mangeons, de comment nous bougeons et de comment nous pensons. J'espère donc que l'humain de demain sera capable de prendre conscience de ces éléments, qu'il travaillera peut-être un peu moins, qu'il dormira plus, qu'il arrêtera de fumer, qu'il mangera sainement et passera plus de temps avec les gens qu'il aime. Et quant à moi, je vous souhaite à tous de rester en excellente santé. Merci. Merci beaucoup, Vincent Grosse, c'était vraiment étonnant. Merci beaucoup. Ja, ich habe ein Wort mitgenommen, prendre un peu de temps, das nehmen wir uns jetzt auch, 30 Minuten, bis 20 nach 4, 16.20 Uhr fahren wir fort, dann mit dem Panel hier. Vielen Dank, bis gleich. Okay. Dankeschön. C'était super. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie wieder zurück in den Saal kommen, währenddem sich die Gäste bereits mal ihren Platz suchen. C'est libre, où vous voulez. Wir haben jetzt ein Panel, etwa eine halbe Stunde. Ich würde danach gerne für etwa 10 Minuten auch eröffnen nach außen für Ihre Fragen. Und ich schaue jetzt vor allem in diese Richtung hier, because we have the youngest generation here and this is all about you guys really. This is the future, and we're talking about your future market, where you will be working. Generation Z. La Generation Z. Voilà. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht jetzt tatsächlich um die Digitalisierung. Wir haben sie auf der einen Seite in Form eines konkreten Beispiels von Schweiz Tourismus erlebt. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es jetzt Zeit, dass wir das ein bisschen vertiefen mit 4 ausgewiesenen Expertinnen und Experten. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind bei mir. Wir werden danach, on va changer en français, mais c'est un peu plus facile pour moi, pour faire l'introduction en allemand. Auf der einen Seite gleich neben mir, Richard Collin. Er ist Executive Partner bei Next Modernity. Und ich kann sagen, er ist einer der führenden Köpfe in Europa, wenn es um den Wandel, um diese Changes in Organisationen und Unternehmen geht. Neue Organisationsformen, wie müssen sich Unternehmen eigentlich zusammensetzen, was passiert mit denen, welche Changes, welche Transformationen müssen sie machen, im Bezug speziell auch zu den digitalen Technologien. Dann neben ihm Christina Gagini, Direktorin der Romandie Economie Suisse. Frau Gagini ist seit 2009 Leiterin von Economie Suisse Westschweiz, ist viersprachig, versteht mich jetzt hoffentlich gut so und besitzt ein Lizenziat in Politikwissenschaften.
Dazu hat sie ein Diplom als eigenössisch diplomierte PR-Beraterin, also sie kennt auch diese Seite, und setzt sich gegenüber den eidgenössischen Räten und der Öffentlichkeit für attraktive Rahmenbedingungen für KMU und Großunternehmen immer wieder ein. Wir haben hier also quasi die Organisationsformen, die vielleicht mehr die Bildungsseite, dann haben wir hier die Wirtschaft und gleich neben ihr sitzt Serge Schein, er ist Global Head Recruitment, dass ich das richtig sage, Head Professional Recruitment Practice bei Adecco Group. Serge Schein verfügt selber auch über mehr als 15-jährige Erfahrung in der Leitung von Spezialisten und Rekrutierungsteams. Also hier haben wir so die Personalvermittlung, das Recruitment. Und neben ihm Pierre-Yves Meyer, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds, quasi jetzt in einer neuen Funktion natürlich bei uns, vorher das politische Schwergewicht in der Runde bis 2004, Nationalrat, dann auch 15 Jahre Staatsrat des Kantons Waadt und jetzt eben seit Mai 19 Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, das ist die größte Arbeitnehmerorganisation der Schweiz. Und ich würde gern zuerst ganz kurz Sie alle vier berühren mit der Hauptfrage, die Sie beschäftigt, wenn es um Digitalisierung geht. Was für Hauptfragestellungen oder welche Hauptfragestellung beschäftigt Sie? Ce qui m'intéresse en premier, en premier lieu, est la principale question à laquelle vous êtes actuellement confronté. Où voyez-vous le plus gros impact, formulé assez neutre, un impact de la digitalisation sur le marché du travail? Richard Collin. Bien. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Ben, je pense qu'on a abordé cette question sur le monde de demain, hein, c'est ça? Oui. Et je crois que c'est ambitieux, finalement, j'ai envie de citer Nassim Taleb, hein, qui disait « il faut être antifragile », c'est-à-dire comment vivre dans un monde qu'on ne comprend pas sans avoir besoin de le comprendre. C'est d'une ambition démesurée que de vouloir penser demain, aujourd'hui. Parce que je crois que l'accélération du monde est formidable et on n'a encore rien vu. Je crois que ça nous a été dit sur le développement climatique. D'une certaine façon, nous sommes embarqués dans une fusée où il y a 4 étages. Le premier étage qui nous emmène vers cette nouvelle orbite qu'on ne connaît pas, c'est le changement climatique, le développement durable. Le deuxième, ce sont les technologies, la convergence du numérique, des sciences cognitives, notre ami des sciences nous l'a dit, et des nanotechnologies, mais aussi, bien sûr, de la biologie. Le troisième étage de la fusée, c'est l'économie qui change. Et de façon radicale, on passe d'une économie de la propriété à une économie des services, le blockchain, enfin toutes ces questions-là, les monnaies complémentaires. Quatrième étage de la fusée, c'est la démographie galopante et le géopolitique. Donc, moi, je vais parler du numérique dans cette perspective-là. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment de transformation extrêmement rapide, inconnu, et sur lequel nous devons tous être les acteurs, finalement, de cette transformation. Et que le travail, finalement, c'est un mot qui est en train de disparaître. Ce qui est le mot-clé, c'est l'activité. Ce qui est finalement l'enjeu du monde de demain, c'est comment l'activité va se faire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que si on regarde finalement quelques statistiques, avec même ce que j'appellerais le manufacturing, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui la façon avec l'imprimante 3D, ça change aussi finalement la façon dont on fabrique les choses, tout ça, ça a un impact considérable sur la façon dont notre monde joue. Nous avons un point important, la majorité des métiers aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des métiers tacites, c'est-à-dire des gens qui prennent de l'information, ça se fait aussi finalement, qui prennent des informations avec les machines à commande numérique, qui la mettent en contexte, en performance, et ceci pour prendre des décisions, agir ou innover. Nous sommes de plus en plus, aujourd'hui 70% de la population active de notre grande Europe, y compris la Suisse, c'est finalement des ce qu'on appelle information worker. Or, quand on parle d'information worker, c'est ce qui digitalise facilement. Donc, ce que je voudrais dire sur l'impact du workforce, alors il y a plein d'études qui sortent, hein, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Les études de Gaston Berger qui disent que, par exemple, l'intelligence artificielle va supprimer finalement plein d'emplois. Que le mot emploi même est peut-être appelé à disparaître en tant que tel. Et on voit bien que les nouvelles générations. Donc je pense qu'on est en train de revisiter finalement des fondamentaux radicaux de notre organisation. L'entreprise, c'est quoi finalement? C'est une communauté de destin et de dessein dans lequel finalement il y a différentes parties prenantes. Et cette entreprise en tant que telle, même dans son modèle, est en train de changer.
et évolue. Et quand on va parler de travail, de finalement l'activité, la transformation du travail, c'est chacune des personnes qui va finalement changer son mode de vie. Aujourd'hui, moi j'ai eu une partie de mon activité où j'étais finalement professeur. Eh bien, finalement, les gens, d'une certaine façon, ils vont avoir une partie de leur vie avec le salariat, une partie de leur activité où ils ont monté leur start-up, une partie de leur vie, ils vont faire de la musique, et, etc. Donc aujourd'hui, le monde change considérablement. Ce qui est important, peut-être aujourd'hui, pour essayer de répondre à la question, on est dans un moment de bascule important dans lequel chacun est acteur. Et je crois que ce qui est la force extraordinaire de votre association, c'est que vous êtes les acteurs sur le territoire et dans différents pays. Vous êtes finalement des agents de transformation. Et avec vos enfants, vos conjoints, vos petits-enfants, vos réseaux, vous pouvez leur donner un seul message aujourd'hui. C'est que aujourd'hui, le mot travail et les mots emploi font partie du passé. Il faut inventer d'autres mots qui sont en train de changer. Parce qu'on est en train d'inventer finalement le monde de demain. Et je vais conclure sur ça. Rappelez-vous une chose, et j'ai eu la chance de travailler avec mon ami Michel Serres, philosophe qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et on parlait ensemble, et il faut savoir que le monde s'est toujours transformé quand il y a eu un rapport nouveau de l'individu à l'information. Il a fallu des millénaires pour inventer un monde quand l'écriture s'est inventée. Il a fallu 400 ans pour inventer un monde quand le livre est venu. Il faut 30 ans pour inventer un monde quand Internet arrive. Le monde est devenu le web. Nous sommes acteurs et inventeurs du monde de demain. Je n'ai rien d'autre à vous dire que là-dessus, si ce n'est que ça va être fort, difficile, exigeant, mais passionnant. Je ne suis pas un collapsologue, je suis un optimiste démesuré. Et je vous encourage à l'être parce que je crois qu'on a une chance inouïe, c'est de vivre ce moment-là. Vielen Dank. Einen ganz großen Bogen. Ich nehme jetzt einen kleinen Teil heraus. Eben, was bedeutet das für die Unternehmungen? Also wo stellt sich die Wirtschaft in dieser neuen Welt, in der eben, wenn ich das richtig verstanden habe, es keine Arbeit mehr gibt, aber Aktivitäten. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Frau Gagini. Oui, je pense qu'on est effectivement dans un moment de bascule, mais ça fait quand même quelques années. Donc, on a toujours construit demain à partir d'aujourd'hui. Donc, il n'y a en soi pas, disons, de nouveauté majeure, si ce n'est effectivement ce bond technologique qui est très, très important, qui signifie concrètement pour les entreprises, j'ai des données sur mes clients, sur mes produits, sur les machines que je vends, comment est-ce que je vais les exploiter pour que mes services soient encore plus performants. Ça, c'est tout un volet qui implique une maîtrise technologique qui, effectivement, est assez importante à digérer, très rapide. C'est le premier élément. Le deuxième paradigme qui change, c'est l'importance du changement. Je vous rejoins quand vous dites que c'est un changement qui est très fondamental, qui ne concerne de loin pas uniquement l'économie, ni les travailleurs, ni les syndicats ou autres autorités politiques. C'est un changement de vision du monde que nous pouvons d'ores et déjà constater auprès de nos jeunes. Ce que vous disiez, je veux un travail alimentaire, une sécurité financière. À côté, je souhaite avoir quelques mandats comme indépendant, éventuellement via des plateformes, le fameux crowd work. Et troisièmement, je veux du temps pour mes hobbies. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire les adultes de demain, sont des gens qui ont une autre perception du travail. Et je peux vous suivre quand vous dites qu'on parlera plus d'activité que de travail au sens propre. Cela pose un grand, grand défi, notamment aux organisations économiques, certainement aussi aux syndicats, parce que n'oublions pas que les gens que nous défendons aujourd'hui, si les prévisions de M. Collin sont justes, eh bien, ne seront plus nos clients de demain, ou que la diversité sera plus grande. Aujourd'hui, où en sommes-nous en Suisse? Les trois quarts des PME, qui représentent l'essentiel du tissu économique suisse, n'ont pas encore véritablement pris le virage digital. Elles le disent elles-mêmes. Les grandes sociétés, je nommerai SGS, Société Générale de Surveillance, ou ABB, m'ont dit clairement, nous avons fait peut-être au mieux 20% du chemin. Donc oui, rapidité de la technologie, des avancées technologiques, mais lenteur
de l'absorption, sauf évidemment toute cette nébuleuse extrêmement positive que sont les start-up, qui, il faut bien le dire, en Suisse n'ont pas la vie facile et qui vont souvent devoir se délocaliser à l'étranger pour pouvoir grandir, mais c'est un autre débat. Et évidemment, et c'est deux postulats que je pose d'emblée, pour nous, économie, la technologie doit être au service de l'homme et non l'inverse, et ça, ça change toute la perspective des politiques à prendre, en matière sociale, protection des données, infrastructures et autres. Et puis le deuxième postulat, eh bien, c'est que nous ne pouvons pas, nous, les Suisses, freiner un mouvement qui est d'ores et déjà mondial. Nous ne pouvons le faire que contre notre intérêt. Et c'est notre souci aujourd'hui en tant qu'organisation économique et plus grande fêtière de ce pays. Eh bien, c'est que les politiques se sont obligées de contrôler, de légiférer, de surréglementer, d'empêcher ce changement radical. Cela se ferait au détriment, évidemment, de l'innovation. Cela se ferait clairement au détriment des emplois dans notre pays et, in fine, des recettes fiscales, des assurances sociales. Enfin, j'ouvre un peu le débat parce que je sais que M. Maillard viendra aussi sur ces points-là et nous ne partageons pas tout à fait le même point de vue. Voilà ce qui est dit. Moi, je suis aussi très positive, je le suis par nature et j'aime le changement. Donc, pour moi, c'est plutôt un défi positif, mais je suis parfaitement consciente, et les entrepreneurs aussi, que le changement n'est pas aimé par une majorité des concitoyens, des citoyens, quel que soit leur âge. On peut être digital native et être né avec un iPhone dans la main et ne pas aimer le changement, ne pas aimer l'idée qu'il faudra changer 3 ou 4 fois de métier. J'ai changé déjà 3 fois de métier, je n'ai que 50 ans. Donc, j'en suis un exemple. Je pense que c'est cette flexibilité, cette créativité, ce penser out of the box qui sera la clé de succès de notre pays et le pragmatisme. Et ça, c'est vraiment dans l'ADN de notre pays. Ne surréagissons pas. Et d'ailleurs, à l'exception de la France, tous les autres pays européens, parlons pas des États-Unis en ce moment, c'est une question un peu plus épineuse, eh bien, tous les pays européens ont décidé de ne rien décider, de monitorer, c'est-à-dire de regarder l'évolution des nouveaux modes de travail sur lesquels nous reviendrons, mais de ne pas hâter des décisions. Regardons, nous n'avons pas suffisamment de recul pour dire c'est bon ou c'est pas bon de travailler sur demande, de travailler via des plateformes. Et il faut toujours distinguer, pour cela il y a des instituts comme le vôtre, l'OCDE, la Banque mondiale, qui sont tous très positifs. La Banque mondiale n'est pas connue pour être ultra-libérale, n'est-ce pas ? Eh bien, elle arrive à la conclusion, après moult réflexions, que sur le long terme, la numérisation profitera à la majorité de ce qu'on appelle encore les travailleurs. J'espère qu'on ne les appellera pas les activistes. Enfin, il faudra trouver un terme. Et à la qualité de vie générale. Et à la qualité de vie générale. Voilà. Voilà. Ce sont les gens, parce que d'une certaine façon, on passe d'une société de l'ajustissement, être désassuré, à une société d'accomplissement. Et je pense qu'on va passer finalement à des gens qui seront accomplis plutôt qu'assujettis. Merci, Christina Cartini. Oui, Serge Schein, la question pose. Oui, oui. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que j'ai choisi la bonne place, parce que j'ai compris. Je vais peut-être vous parler très rapidement de l'impact que ça peut avoir sur nos activités dans le recrutement, mais je crois que là, on touche vraiment le cœur du débat sur l'évolution de la société et sur comment, que ce soit au point de vue du travail ou comment ce soit au point de vue de l'organisation sociétale, on doit faire face à ces changements qui sont en face de nous. Et une des premières choses qu'on doit dire, c'est que le changement, ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est déjà en train d'arriver. Alors très rapidement, sur le monde du recrutement, pour le groupe Adecco, pour nos confrères dans ce domaine d'activité, évidemment que la digitalisation, évidemment que l'automatisation, l'intelligence artificielle, le big data, l'analytics, tout ça, ça change les choses. Ça change les choses parce que nous croyons en ce qu'on appelle le augmented intelligence. Donc c'est vraiment le fait d'améliorer la performance de l'humain par la technologie. Et ça revient un petit peu à ce que vous disiez.
on pense que la technologie doit être au service de l'humain et pas l'inverse. Et si on est capable de faire ça, effectivement, on a des perspectives qui sont extrêmement positives sur l'évolution du travail, sur l'évolution de la société. Deuxième chose, c'est qu'évidemment, ça permet à nos clients, ça nous permet à nous d'avoir accès à des outils auxquels on n'avait pas accès il y a 15, 20 ans en arrière et qui permettent probablement une approche plus fine de l'évaluation, du recrutement, de la prédiction. Alors, on parlera sûrement des biais, on n'est pas là dans une partie technique, mais il y a évidemment des biais qui sont liés à l'analytics, etc. Mais il y a quand même un côté très positif. Ça change notre métier. Là où ça change de manière encore plus drastiquement la société, c'est que ce phénomène technologique, pour nous, a deux impacts fondamentaux. Je reviens sur ce qui a été dit. Un, ça change beaucoup les modèles d'entreprise et ça change le marché du travail. On a coutume de dire que finalement, on va d'une situation où on avait un lifelong career vers une situation où il faut aller vers le lifelong learning. Donc, on a parlé d'activité, on parle de compétences, et on a parlé avec M. Collin juste avant de monter sur cette scène, c'était de dire, on ne parle pas même forcément de compétences métiers. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de la capacité à s'adapter, de la flexibilité, de la capacité à apprendre. Le World Economic Forum, l'année dernière, fait un travail assez intéressant où ils ont listé en fait les 10 compétences les plus recherchées en 2015 et les 10 compétences les plus recherchées en 2020. Et il y a deux choses intéressantes qui émergent de ça. La première, c'est qu'en 2015, l'intelligence émotionnelle n'était pas citée, qu'elle arrive en 6e place en 2020, et que la créativité était 10e en 2015 et qu'elle est aujourd'hui sur le podium, en numéro 3. Donc on voit vraiment un basculement de la manière dont on approche le monde du travail et dont on approche les compétences et ce que le futur nous propose en termes d'emploi et en termes d'activité. Pierre-Yves Maillard, ich kann mir vorstellen, es wird Ihnen schon fast Sturm, wenn Sie denken, eben, man redet nicht mehr von Arbeit, sondern von Aktivitäten auf der Seite der Gewerkschaft. Wie geht man mit dieser Herausforderung um? Moi, je suis vraiment très, très mauvais dans la prédiction. Hein. Je suis très, très nul dans tout ça. Et j'ai toujours été très, très prosaïque et très, très réaliste, enfin, très, très concerné par la réalité telle qu'elle est. D'ailleurs, ça m'a parfois été assez utile parce que je me rappelle, par exemple, dans un des conflits syndicaux que j'ai dû vivre avant mon passage au Conseil d'État, qui avait fait un peu de bruit dans le canton de Vaud parce que c'était une grande entreprise qui s'appelait Veillon. Il y avait près de 1000 collaborateurs dans la région lausannoise. Elle faisait de la vente par correspondance. Elle faisait des catalogues d'habits qu'elle distribuait à peu près dans toute la Suisse. Et puis, surtout les femmes, mais aussi les hommes, commandaient des habits et ils étaient livrés depuis Bussigny, un grand centre logistique, et ils étaient livrés dans toute la Suisse. Et cette entreprise a été fermée en deux étapes. Et moi, je m'occupais des salariés. J'ai négocié un plan social pour ces salariés. Je me suis battu contre cette fermeture. Parfois, on a gagné. Cette fois, on n'a pas réussi à sauver l'entreprise. Et on a négocié un bon plan social. Et la direction à l'époque, très convaincue. D'ailleurs, il y avait aussi une entreprise en Suisse allemande qui s'appelait Ackermann, qui était aussi très, très active. Et dans ce monde-là, on disait en gros, vous savez, M. Maillard, la vente par correspondance, c'est fini. Ça, c'était au début des années 2000. Hein, la vente par correspondance, c'est mort. C'est une branche qui va disparaître. Et aujourd'hui, on a Amazon, on a tout ce qu'on connaît dans la vente par correspondance. C'est très intéressant de voir comment on a des certitudes dans un certain nombre de domaines. Et en fait, on voit que ces certitudes peuvent être tout à fait démenties ensuite dans l'avenir. Et en réalité, le métier de logisticien, de chauffeur-livreur est probablement un des métiers qui se développe le plus fort. Et Dieu sait que c'est un bon vieux, ancien métier, très traditionnel, et que tout ce qu'on fait par Internet, tous les clics qu'on fait sur Internet, on croit que les choses nous viennent comme ça de manière immatérielle. En réalité, il faut bel et bien des personnes physiques qui prennent un camion et qui nous livrent ces choses. Et donc, ce métier-là, ben, c'est justement l'un des métiers qui se développe. De même, d'ailleurs, je dis que si la Poste voulait bien penser à faire autre chose que de livrer des colis et des lettres, elle aurait un immense avenir parce qu'elle a le plus grand réseau logisticien de Suisse. Elle pourrait offrir des services fantastiques, notamment dans le domaine de l'aide à la personne, du soutien à la personne pour des services très pratiques dont les personnes âgées auront besoin dans le futur. Parce que je signale un des enjeux, moi, qui me concerne beaucoup plus encore que la digitalisation, c'est l'évolution démographique. Nous avons aujourd'hui, dans le canton de Vaud, 50 000 personnes de 75 ans et plus. Dans 20 ans,
il y en aura 100 000. Et le canton de Vaud est représentatif de toute la Suisse et à peu près de tout le monde occidental. On va vers un doublement des personnes de 75 ans et plus. Un doublement des personnes de 75 ans et plus, ça a des impacts colossaux dans les besoins en services de proximité, en services de soins, en services d'accompagnement, en contact. Et là, ça veut donc dire des personnes, parce que je vois mal des robots s'occuper de soigner quelqu'un dans un EMS, malgré tout ce qu'on raconte. Je sais bien qu'on dit que c'est possible, moi, j'y crois pas. Je pense qu'il faudra du personnel. Et rien que dans ces domaines-là, il faudra à peu près 100 000 personnes en Suisse. Donc là, il y a des jobs à faire, mais il faudra les solvabiliser, il faudra les financer par des bons vieux mécanismes de solidarité. Donc je crois qu'il y a, beaucoup de changements dans les idéologies de management, dans les idéologies de ressources humaines. Les mots changent, on changera peut-être quelques mots, mais la réalité, c'est qu'on aura toujours besoin de services à la personne fournis par d'autres personnes. Je veux quand même aussi dire qu'on a déjà digitalisé beaucoup. Les sténodactylos ont quasiment disparu. Pourtant, on a encore dans les administrations beaucoup de monde qui travaille. On a intégré ces 20 ou 30 dernières années dans les sociétés occidentales les femmes sur le marché du travail. Il y a 30 ou 40 ans, le taux d'activité des femmes était beaucoup plus faible. Aujourd'hui, il est devenu relativement élevé dans la plupart des sociétés occidentales, alors même qu'on a déjà informatisé et digitalisé beaucoup de choses. Donc je crois qu'effectivement, on n'est pas prêt de voir la fin du travail. Le nombre de volumes d'heures travaillées, d'ailleurs, ne cesse de croître, alors que la technologie progresse. C'est simplement parce que des besoins différents apparaissent et que ces besoins doivent être servis. Bien sûr qu'il y a des changements, il y a des activités qui disparaissent, il y a des métiers qui disparaissent, d'autres besoins montent en puissance et il faut être capable de trouver les systèmes de financement qui permettent de solvabiliser ces besoins. Et si vous avez posé la question, qu'est-ce qui m'inquiète ? Moi, je n'ai pas d'inquiétude vis-à-vis de la technologie. J'ai une inquiétude parce que je sais qu'il y a des métiers qui disparaissent dans le secteur marchand, un secteur très simple où vous achetez votre prestation en direct. Au moment où vous la consommez, vous la payez. C'est dans ce domaine-là, il y a effectivement une raréfaction peut-être de l'activité. Et il y aura une augmentation de l'activité nécessaire ou de l'emploi nécessaire dans des prestations qu'on ne pourra pas payer le jour où on les consomme. Une personne dans un EMS ne peut pas payer au moment où elle consomme ses services le coût que ça représente. Parce que c'est 6 000 francs suisses, 7 000 francs suisses par mois, et il n'y a quasiment pas de personnes âgées qui ont 6 000 à 7 000 francs suisses par mois à sortir au moment où ils en ont besoin. Donc il faudra inventer des systèmes de financement pour solvabiliser cette prestation. Et ça, malheureusement, pour une partie de l'échiquier politique, c'est des mécanismes un peu innovants de financement, c'est-à-dire des mécanismes de solidarité où on paye un peu plus que ce qu'on consomme pour ceux qui ont de l'argent, ou bien on paye à l'avance ce qu'on va consommer plus tard. On doit médiatiser un peu ces financements. Et comme ça a été interdit dans la pensée économique, parce que c'est du financement socialisé, on a dit trop de social, il faut arrêter, moratoire social, alors on n'est pas en train de se préparer à solvabiliser les emplois, les prestations, les besoins dont on aura besoin. Et si on arrive à casser ce verrou idéologique-là, je pense qu'on a de belles perspectives pour trouver des jobs avec du sens, où les gens s'accomplissent. Évidemment, il faudra bien les payer, il faudra bien les former. Mais là, il y aura de quoi faire pour notre jeunesse, des jobs avec beaucoup de sens, beaucoup de besoins de socialisation, d'émotion, de sensibilité. Mais il faudra trouver les mécanismes de financement. Und damit ist die Debatte eröffnet. Vielen Dank, Pierre-Yves Meyer. Christina Gardini, Sie haben zweimal die Hand bereits erhoben, das eine Mal bei Veillon und Ackermann, das zweite Mal bei der Pflege, bei dem Pflege der Eltern. Bitte sehr, Ihre Antwort. Alors, Monsieur Veillon, à l'époque, a été d'une très grande honnêteté en vous disant que le e-commerce était non seulement très difficile, mais non rentable. J'ai appris, et certainement vous aussi, que Zalando, vous connaissez, Zalando n'est pas rentable. Il vit grâce aux injections de ses investisseurs jusqu'à quand ? Le taux de retour est de 50% de la marchandise. Dès lors qu'il s'agit d'habits, de chaussures ou de questions encore plus intimes, eh bien ces objets sont tout simplement détruits ou envoyés sur le deuxième marché de distribution.
Donc Amazon, autre exemple, n'est pas rentable ou ne l'est que grâce à tous ces services qui n'ont rien à voir avec l'Amazon que nous connaissons. Ce sont deux exemples pour montrer que on peut se gargariser de technologie, de digitalisation et regarder avec des grands yeux, parfois apeurés, selon des grands noms, n'est-ce pas, Zalando, Amazon ou autres. En réalité, encore faut-il atteindre le seuil de rentabilité. Deuxième exemple que je voulais amener pour montrer que les bonnes idées ne deviennent pas forcément des bons produits, eh bien, IBM avait créé tout un logiciel, tout un système pour faire des analyses oncologiques, donc si on a un cancer. Les résultats démontraient que ces logiciels, cette intelligence artificielle, étaient plus fiables que les prévisions des médecins, enfin les diagnostics, pardon, des médecins. Quelle a été la réaction des médecins? Moi, j'aurais sauté sur l'opportunité et j'aurais dit, je consacre plus de temps à la personne, c'est-à-dire au patient que j'ai en face, etc. Non. Pied contre le mur, notre job est mis en danger. Si la machine est meilleure que moi, in fine, cette application n'est pas achetée ou n'est pas utilisée, elle a quand même coûté la modique somme de 400 millions de dollars. Troisième exemple, et je reviens sur les EMS, bien sûr, je concorde, société vieillissante, personne ne peut le contester, importance d'avoir du personnel en chair et en os, indiscutablement essentiel, mais selon les cultures, et ici nous avons des Suisses qui viennent de l'étranger, ceux qui vivent en Asie le savent très bien, au Japon, dans les EMS, il y a déjà toutes sortes de robots, et pas seulement le robot qui vous amène votre petite tasse de thé le matin, c'est le robot avec lequel vous interagissez, qui a appris toute une série de réponses, et qui même à la voix sait si vous êtes en forme ce matin, si vous êtes plutôt triste, et ne va pas vous proposer le même type d'activité. Donc c'est pour montrer la panoplie, bonnes idées, oui, encore faut-il que le marché les prennent, en fassent quelque chose. Et troisièmement, il y a aussi des grands noms qui, en réalité, sont plutôt à la dérive, en tout cas en termes de pur financement. Mmh. Oui. Sur ma carte de visite, il y a marqué « plus de digital, plus d'humain ». C'était pour revenir au secours de vos propos sur lesquels je souscris, pour une partie. Parce que les chauffeurs routiers, ils commencent à être remplacés aux États-Unis par les voitures autonomes, par les camions autonomes. Et ça va aller accélérer. Si vous lisez le nouveau bouquin qui vient de sortir de McAfee sur les statistiques, sur l'impact des voitures et des camions autonomes, on va avoir un pan considérable de métiers qui vont disparaître de ce côté-là. Mais en même temps, la création de ces métiers de service à la personne sont certainement des points de la transformation sociétale qui est en train de venir. Et je voudrais dire que le numérique, ça joue sur plein de choses. C'est-à-dire que on parle beaucoup du numérique, mais on le regarde de l'extérieur. Les poissons qui sont dans l'aquarium, ils ne regardent pas de l'eau de l'extérieur, ils sont dans l'eau, quoi. Nous sommes dans le numérique, de toute façon. Donc nous devons finalement nous mettre dans cette posture-là où nous n'avons pas à penser l'eau dans laquelle nous sommes, mais simplement à nager, à vivre, à inventer et à penser les choses. Et je veux dire un point aussi qui me paraît important, c'est que notre mode de penser, c'est-à-dire hérité finalement de la société industrielle, nous a poussé au monde de la compétition. C'est une forme de loi de la jungle, d'une certaine façon. Or, la nouvelle loi de la jungle, c'est l'entraide. La nouvelle loi de la jungle, c'est la capacité, nos amis scientifiques qui font de la biodiversité ou de la biologie le savent très bien, c'est par l'entraide que finalement les espèces survivent. Ce n'est pas finalement par la compétition. Et je pense que la nouvelle loi de la jungle, c'est l'entraide. Et d'ailleurs, Pablo Servigne a écrit un très bon bouquin dessus que je vous suggère de lire. Et je pense qu'on a à penser tout ça, c'est-à-dire à réfléchir que notre modèle de création de valeur, que nos modèles d'activité, que nos modèles de la façon dont les choses vont se passer sont de façon finalement très innovante. Et c'est l'innovation qui compte. Et le pragmatisme. Nous devons être, d'une certaine façon, des bricoleurs dans ce monde actuel, pour être pragmatique. Et bricoler, c'est Lévi-Strauss qui l'a inventé dans Pensée sauvage. C'est-à-dire que c'est un mot international, c'est-à-dire faire avec les moyens du bord. Nous devons faire avec les moyens du bord. Et je crois que c'est ça notre défi aujourd'hui. Le numérique nous donne des tas de capacités, des tas d'opportunités. Et je crois que le monde est en train d'être inventé
par cette génération nouvelle qui arrive, hein, qu'on appelle la génération C, hein, créativité, communication, collaboration, qui sont finalement ces nouvelles valeurs qui sont importantes. Et je crois que la chance que l'on a, c'est de laisser la main à cette nouvelle génération. Vous savez, c'était, je crois que c'était Max Planck, hein, qui disait « La science avance parce que les vieux savants meurent ». Hein, eh bien, je crois que c'est aussi ça. Notre société va avancer parce que finalement, on va mourir, mais on va laisser la main finalement. Faut leur laisser la place, la main, parce qu'ils sont nés avec ça, ils comprennent et ils ont une chose importante, c'est la réflexion sur le sens, la réflexion sur l'autre et la réflexion sur, ben oui, l'outil, le numérique, c'est là, mais bon, c'est pas l'objectif. C'est simplement il faut savoir qu'en matière de technologie, on n'a encore rien vu, quoi. Ce n'est que le début de la fin. Hein. On n'a encore rien vu. Faut bien vous mettre ça dans la tête. Hein. On n'a encore rien vu. Voilà. Serge Schein. Alors, je vais profiter de ce que Pierre Bayard a dit. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que le numérique. Il n'y a pas que la digitalisation. Il y a d'autres forces qui sont à l'œuvre dans le changement, les changements auxquels le marché du travail doit faire face. Il y a bien entendu le mix démographique, vous en avez parlé, très important. Il y a le déséquilibre des compétences entre ce que le marché du travail demande et ce qu'on est capable de lui fournir, parce qu'il y a aussi des problèmes de système éducatif. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à demain? Comment on prépare nos jeunes, mais comment on prépare aussi les employés d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'on est capable de les requalifier en compétences? Ce sont des vraies questions. Il y a évidemment les incertitudes économiques et géopolitiques. Hein, on a parlé des États-Unis, mais on peut parler du Moyen-Orient, on peut parler de Hong Kong, on peut parler du Brexit. Il y a énormément de choses autour de nous qui font qu'il est très difficile de faire des prédictions. Et si on avait une boule de cristal, ce serait merveilleux. Il y a la gig economy. La gig economy, c'est quoi? C'est l'économie de la flexibilité. C'est le fait, on en a parlé, on a commencé à toucher au sujet en disant, voilà, on va faire plusieurs activités dans sa vie, parfois en même temps, parfois de manière successive. Donc ça, c'est un mode de travail que la génération Z et les millénials plébiscitent. 4 sur 5 d'entre eux, donc c'est quand même quelque chose, c'est le futur. On ne peut pas dire que c'est le futur, encore une fois, c'est aujourd'hui, parce que ces gens-là arrivent sur le marché du travail. Mais pour revenir à l'automatisation, à la digitalisation, ce sont quand même deux facteurs très forts. Donc il y a tous ceux qu'on a cités, mais ceux-là, comme disait M. Collin tout à l'heure, on est dans l'eau, c'est-à-dire qu'on est dedans. On est dedans et il faut l'accepter. Et une fois qu'on a dit ça, il faut se dire quel est l'impact réel aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à ce qui arrive. Vous savez, nous ne croyons pas, en tout cas, moi, je ne crois pas, et le marché du travail tel qu'il évolue semble nous donner raison, je ne crois pas au côté pessimiste qui consiste à dire que les jobs vont disparaître et que ça va être très compliqué, que le chômage va augmenter, etc. Nous n'y croyons pas. Il y a des données historiques qui vont dans ce sens-là, qui expliquent qu'à chaque fois, les emplois ont été remplacés par d'autres emplois nouveaux qui demandent de nouvelles compétences. Il y a une étude de McKinsey sur la Suisse qui prévoit que d'ici à 2030, on va grosso modo détruire entre 1 million et 1 million 2 d'emplois, mais on va en créer grosso modo 1 million. Donc, on arrive à l'équilibre. La vraie question, c'est quels vont être ces emplois? Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas forcément. Et quelles vont être les compétences nécessaires pour remplir ces emplois, pour pourvoir ces emplois? C'est la destruction créatrice de Schumpeter. Hein, on détruit, mais on crée également. Là, donc nous disons automatisation, digitalisation, fantastique, bonne nouvelle. Mais attention, et c'est peut-être là où il faut regarder les choses de manière un peu plus critique, il y a un risque. Et le risque, c'est d'aller vers une société qui va creuser les inégalités et qui va créer plus de polarisation. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la montée en compétences, l'évolution des compétences, doit pouvoir être offerte dès le début du parcours académique, mais aussi tout au long de la carrière, à l'ensemble des salariés. Et quand on interroge les entreprises, très souvent, on se rend compte que les premiers à bénéficier de formation sont souvent les cadres. Et je reviens à l'histoire des chauffeurs de camions de tout à l'heure, et je suis absolument aligné aussi bien avec M. Collin qu'avec M. Maillard. Les chauffeurs de camions, il y en a beaucoup, mais ils risquent de disparaître. Qu'est-ce qu'on fait? Et comment on adresse cette problématique? Donc, optimiste, mais réaliste, il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a la possibilité de s'exprimer en tant que groupe ADECO, un des premiers employeurs mondiaux, on dit qu'il est vraiment temps d'avoir une action coordonnée à la fois des pouvoirs publics, à la fois des institutions d'éducation, et bien sûr de la sphère privée, de l'ensemble des entreprises,
pour commencer à réfléchir et surtout à agir sur ces phénomènes-là. Parce que là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, notre système fiscal, notre système de soins, notre système sociétal tel qu'il est aujourd'hui n'est plus adapté ou va très vite ne plus être adapté à cette évolution de la quatrième révolution industrielle. Alors, je regardais les jeunes assis ici et je me pensais poser la question, comment le système éducatif doit-il changer pour que les jeunes soient bien préparés pour le marché du travail au moment et peut-être dans le futur? Alors, nous avons fait cette réflexion, d'autres instituts évidemment aussi. Ce qui nous semble très très important, c'est de revenir sur le point principal, à savoir que c'est les soft skills, c'est l'attitude au travail qui va faire la différence entre une personne sur l'emploi ou dans les différentes activités. La créativité, la capacité d'analyse, la capacité à prendre des décisions rapidement sur des sujets complexes. Les machines, on parlait d'un diagnostiqueur qui devait voir dans les aliments s'il y avait des pesticides, oui ou non, et les trier, eh bien, il dit oui, il y a des pesticides, non, il n'y en a pas. Et troisième catégorie, c'est je ne sais pas. Et c'est sur ce je ne sais pas qu'une grande société de certification met aujourd'hui les ressources. Le reste du travail est fait par des machines. Cette capacité aussi de curiosité, ça s'apprend en famille. À mon sens, ça peut se développer aussi à l'école, mais je ne mets jamais sur le dos de l'école ce qui est le rôle des enfants. Des parents. Enfin, en l'occurrence, en vieillissant, on devient des enfants de nos enfants. Bon, et ça m'a l'air fondamental. Mais bien sûr, il faut un bagage culturel. Je siège au comité stratégique d'une haute école suisse et on nous a posé la question en créant ce comité. Quelle est l'école du futur? Alors là, on est dans le tertiaire, mais c'est véritablement ce qui ressort de la part des employeurs, c'est soyez flexibles, sachez vous adapter, mais vous devrez aussi être plus souvent sollicité, et ça ne va pas être facile avec la hiérarchie actuelle, à être dans un management participatif où votre avis comptera. Aujourd'hui, il faut dire que souvent, c'est de la poudre aux yeux. On demande l'avis des collaborateurs, on n'en tient plus ou moins pas compte. Je suis assez sévère, mais bon, j'ai travaillé dans le privé et je sais de quoi je parle. Ça va être le grand changement. Et quand les parents un peu inquiets, parce qu'on fait beaucoup de débats sur le sujet, me disent, mais enfin, qu'est-ce que mon enfant doit étudier? Et puis, à quel niveau? Est-ce qu'il faut tous être des universitaires? Je dis, mais pour l'amour de Dieu, non! Surtout en Suisse, où on a un système de formation dual qui vous permet ensuite, par des passerelles, de continuer à vous former. Ce n'est pas qu'une petite formation de 3 jours. Voilà. Il va falloir, par contre, répondre à une question fondamentale. Qui va payer la reconversion professionnelle de personnes qui ne retrouveront plus d'emploi dans leur métier? Et ça, moi j'en ai discuté il y a un certain nombre d'années déjà avec notre association sœur qui est le pendant naturel de Monsieur Maillard. Eh bien, j'ai dit, mais pourquoi pas les offices régionaux de placement? Pourquoi pas, au lieu de vous envoyer faire un cours pour apprendre à écrire un CV, ne pas dire, ben voilà, tel et tel est dans la vente, on ne vous engage plus pour X raisons, à la logistique, c'est pas le truc, et qui va payer? Alors, une partie est déjà prise en charge par les employeurs. Alors, les grands groupes, ça coule de source. La difficulté viendra pour les PME. 99% de nos employeurs sont des PME. Qui va payer ces reconversions? Mais pour clore, je dirais qu'aujourd'hui, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et qu'en Suisse, il n'y a pas de précarisation des travailleurs. Le crowd work, donc ce travail via des plateformes et autres formes d'ubérisation sur lesquelles vous nous avez demandé de réfléchir, sont une quantité infime numériquement. Aujourd'hui, je ne dis pas à l'avenir, personne ne le sait, et qu'il n'y a surtout pas pour le moment de creusement dans l'écart des salaires, et que selon toute vraisemblance, en tout cas ce sont, si on analyse ce qui se passe dans le monde, moins les travailleurs peu qualifiés qui vont être mis à mal que le travailleur intermédiaire, moyennement qualifié, qui a des tâches très répétitives, back office, scanner des factures à longueur de journée, etc., etc. Tout ça, c'est industrialisé. Par contre, comme vous le disiez, M. Maillard, ou vous, M. Schein, je ne sais plus,
C'est ce qui s'est passé avec la fameuse secrétaire qui devait retaper 4-5 fois la même lettre parce qu'il y avait une boulette ou parce que le chef avait oublié un mot. Eh bien, aujourd'hui, non seulement cette secrétaire n'écrit plus les lettres puisque nous, on se fait des mails entre nous, mais elle a un job beaucoup plus intéressant. Elle fait de l'événementiel, elle a des projets à gérer. In fine, c'est vers une amélioration de l'intérêt du travail, mais il est vrai, et ça il faut le dire, et ça nous préoccupe, nous ne voulons pas d'une société à deux vitesses. Il y aura la formation, mais aussi la bonne volonté de la part des employeurs, des autorités et des travailleurs. Je les appelle encore comme ça, excusez-moi, je n'ai pas trouvé encore le terme. Pierre-Yves Maillard. Oui, je crois qu'on a un énorme enjeu autour de cette question de la formation. D'abord, il faut savoir qu'on produit encore en Suisse, mais dans la plupart des pays du monde, on produit encore une forte proportion de jeunes qui, à cause du système très sélectif qu'on continue d'avoir dans les domaines de la formation, qui n'ont, à la fin de leurs 9, 10 années de scolarité, que leurs bras à proposer. C'est-à-dire on continue de gaspiller une partie de notre jeunesse en n'investissant pas sur eux pour qu'ils soient ensuite... qu'ils aient une chance sur le marché du travail. En Suisse, on a encore entre 10 et 15% d'une classe d'âge qui termine la scolarité et qui ne trouve pas le chemin vers l'apprentissage. Ce n'est pas une question de volume, parce qu'on le sait, on a aujourd'hui encore en Suisse des milliers de places d'apprentissage qui ne sont pas pourvues. Simplement, il n'y a personne qui s'occupe de dire, au fond, et on devrait faire le saut simple, de dire, mais on n'a pas les moyens de générer chaque année, je sais pas, 5 000. En Suisse, ça doit être entre 5 et 10 000 jeunes qui, chaque année, sortent de l'école et qui ne trouveront pas de place d'apprentissage. Parce que, raisonnons simplement, comment est-ce que nos jeunes trouvent une place d'apprentissage dans la vraie vie? Ce n'est pas en répondant à une annonce et en envoyant un CV. C'est parce que l'oncle ou le copain de foot du papa ou de la maman, ou le cousin a une entreprise et qui se dit « Ah, ton jeune, est-ce que tu serais d'accord, mon jeune, est-ce que tu serais d'accord ?» C'est ces réseaux familiaux, ces réseaux sociaux, mais au sens pas digitaux du terme, mais ces réseaux personnels qui permettent à des jeunes de trouver le chemin vers l'apprentissage. Mais quand on a, comme en Suisse, une immigration, par exemple, récente d'Éthiopie, d'Érythrée, des pays d'Afrique ou d'autres régions, Afghanistan, etc., qui s'occupe de ces jeunes? Ils ont un potentiel. Est-ce qu'on investit un peu d'argent pour les coacher, les amener vers le carrossier, vers le charpentier, vers l'entrepreneur, l'électricien ou le polymécanicien, pour lui dire, ben voilà, ce jeune, c'est ça qui l'intéresse. Il faudra peut-être un peu plus de temps, il faudra quelques cours de français au début, mais à la fin, on met un peu d'argent, y compris les pouvoirs publics. C'est quand même préférable que d'avoir quelqu'un dont on sait d'avance, s'il n'a pas un titre, qui va coûter à la collectivité pendant 20, 30 ou 40 ans. Parce que l'alternative, c'est l'aide sociale. Et ça nous coûte pour longtemps, sans compter les coûts sanitaires, etc. Donc là, un choix très simple qui est de dire, on donne une formation certifiée à tous les jeunes, à part vraiment ceux qui ont des handicaps, mais même ceux-là. On peut aussi s'occuper de leur donner une formation adaptée. Donc, premièrement, il faudrait se donner ça comme objectif. Mais l'affirmer et se donner les moyens, il n'y a pas de jeune qui sort du processus scolaire sans avoir un titre adapté à son niveau professionnel, lui donnant une chance sur le marché du travail. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, mes deux parents ont pu élever une famille dans les années 60, 70, 80, sans faire de CFC. Ni mon père ni ma mère n'avaient de CFC. Ils ont pu mener une vie de travail, élever 3 enfants, les amener à des études. Ça, c'était possible il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Mais on n'a pas fait le choix. Et la deuxième chose, vous avez tout à fait raison, je pense que dans les conventions collectives, ça commence. On l'a vu dans la dernière convention des machines, de l'industrie des machines, la dernière convention même, une des grandes conventions collectives. Il faut commencer à prélever un peu de masse salariale pour que, par la branche, par l'activité de branche, on ait des programmes de requalification pour les personnes qui vont devoir changer d'activité pour qu'on investisse dans ce savoir-faire et qu'on donne des titres. Parce que ça aussi, c'est très important. Vous parlez de compétences personnelles, individuelles. Mais les salariés ont besoin de titres.
Vous le savez, vous recrutez des... Vous savez à quel point l'absence de titres objectifs qui permettent à des gens de faire valoir ce qu'ils ont fait est rédhibitoire quand on est en compétition pour une place de travail. Donc il faut qu'on on certifie ce qui est fait, et ça, ça passe par des moyens. Et ces moyens, je pense que tant dans les conventions collectives que dans les pouvoirs publics, on doit les investir de toute urgence, sinon on va payer plus cher. On va payer plus cher en coûts sociaux. Christina Gargini. Mit dem letzten Statement, bevor wir vielleicht noch kurz rausgeben für eine Frage, dann sind wir nicht bereits am Ende. Je me pose la question en ayant écouté tout à l'heure M. Collin et maintenant M. Maillard. Il me semble que le plus gros défi que nous avons aujourd'hui, quel que soit le pays, c'est de cesser de prévoir le futur à partir des catégories d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en Suisse, nous avons 85% des personnes qui travaillent qui sont dépendantes, qui travaillent pour un employeur, l'État, le privé. Bien, quand on réfléchit formation, alors on va se dire, voilà, c'est là où il faut aller chercher. Et effectivement, c'est du pragmatisme, c'est du bon sens, à court terme, c'est juste. On se dit, il faut que les gens aient des diplômes, des titres. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, le marché du travail exige des titres de manière parfaitement exagérée, je le dis. Par contre, est-ce qu'on n'est pas en train justement de freiner cette jeunesse qui va changer de métier? Elle ne pourra pas avoir pour chaque fois de changement de job. Moi, je n'ai pas 4, 5, 10 diplômes à chaque fois que j'ai changé de métier. Non, ça, ce n'est pas possible. Est-ce que le futur rapport au travail ou aux activités exigera autant de titres qu'avant? Ce que l'on sait, c'est que la technologie deviendra tellement plus rapidement obsolète qu'aujourd'hui, que c'est bien d'avoir un métier, hein, de savoir couper des cheveux droits plutôt que tordus, ou de savoir travailler avec une machine. Mais la machine va évoluer, la machine va changer, et il faudra s'y adapter. Et c'est pour cela que mon appel aujourd'hui, c'est de dire réfléchissons ensemble avec les pouvoirs politiques qui ont en Suisse en main la formation, enfin une très grande partie de la formation, réfléchissons ensemble. Nous entendons tout le temps dire, et ça fait 10 ans que nous le disons, nous souhaitons plus de mathématiques, de sciences humaines, etc. Dès l'école primaire, on nous répond, mais ce sera au détriment de la géo ou de je ne sais pas quoi. Bon, donc on nous met ça de côté. Difficile de dialoguer sur ce sujet. Nous proposons qu'il y ait davantage de pensée computationnelle. Je ne vais pas faire tout un déroulé là-dessus. Eh bien, on nous répond, oui, mais enfin, ça viendra plus tard dans les études. Mais non. Voilà. Et parce qu'on réfléchit à partir du présent, et c'est très, très difficile de changer les mentalités. Et c'est ça, je crois, beaucoup plus que la technologie qui va freiner, accélérer et, ou bien faire capoter une partie de la société. Définitif. Also, zum Schluss, der Weg von Life Work zum Life Learning. Ich gebe Ihnen la fin avec moi j'ai envie de dire, puisque votre question était sur la formation, sur les jeunes, etc. L'enjeu, finalement, dans ce moment de transition, c'est que chacun, et ce que je vous incite à faire, cette génération, c'est d'être des entrepreneurs de transition. Entrepreneur, c'est un beau mot, c'est-à-dire c'est un défi, et de transition dans cette transition qui est celle d'aujourd'hui. Et puis être aussi des entrepreneurs de connaissances, parce que comme ça a été dit, les connaissances formelles, elles évoluent à toute allure. Ça change tout le temps. Donc ce qui est stable, c'est finalement c'est vous. C'est vos capacités individuelles, vos comportements, vos capacités d'empathie, de communiquer, d'entraide, de faire avec les autres, d'autonomie, etc. Et vous devez être aussi des cultivateurs de confiance. Parce que la confiance, c'est la bande passante de la connaissance. Et dans ce monde d'aujourd'hui, où finalement le défi, c'est d'apprendre, de faire et de partager, nous sommes ce que nous partageons. Avant, finalement, la connaissance était le pouvoir. Maintenant, c'est la connaissance partagée qui est la puissance de tous. Et donc, l'enjeu, c'est que vous preniez cette posture et que vous fassiez bouger les lignes dans ce sens-là. Et je crois que le monde dans lequel on vit, dans lequel il était structuré par le monde dit de la manufacture, de la civilisation industrielle, le monde de la main-d'œuvre, puisque la main-d'œuvre, c'était là pour suppléer ce que la machine n'était pas capable de faire. Eh bien, on est en train de passer au monde de la cerveau-facture et du cerveau d'œuvre. Votre défi, c'est d'être, de gérer ça. Go and do it. Das ist das Schlusswort. Vielen Dank, Richard Collin. Vielen Dank, Christina Gargini, Pierre-Yves Maillard und Serge Schein.
Das war unsere Runde. Merci, merci beaucoup. Ich glaube, zu dieser vorgeschrittenen Stunde verzichten wir nun auf weitere Fragen aus dem Publikum. Sie sind ja noch eine kurze Zeit hier auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, gefühlt seit den US-Präsidentschaftswahlen und im Nachgang dazu in den Tweets des amerikanischen Präsidenten taucht das Wort Fake News in den letzten paar Jahren immer wieder auf. Falschmeldungen, die gab es ja schon immer, das ist klar. Aber mit dem Motor der sozialen Medien sind diese Falschmeldungen in einer ganz anderen Dynamik unterwegs. Und ich darf Ihnen jetzt einen Mann vorstellen, der als Leiter der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit am Institut für Informatik an der Uni Bern den nötigen Durchblick hat. Zuvor doktorierte er an der ETH Zürich am Lehrstuhl für strategisches Management und Innovation. Begrüßen Sie bereits hier auf der Bühne Matthias Stürmer. Bitte sehr. Danke. Guten Nachmittag miteinander. Freut mich sehr, hier in Montreux auftreten zu dürfen zum Thema einerseits eben, wie gesagt, Fake News, das Thema, das in der Digitalisierung immer wieder auch als eine der Bedrohungen genannt wird. Und noch das zweite Thema, E-Voting. Ich habe gestern die Tagesschau gesehen, das ist ein sehr aktuelles Thema, gerade bei den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern. Deshalb da auch dazu noch ein paar Gedanken und Aktualitäten. Nun, an was liegt es überhaupt, dass diese Digitalisierung so in aller Munde ist? Als noch vor einigen Jahren, vor 20 Jahren mit dem Informatik- und Studium begonnen hatte, war das irgendwie so eines der vielen Studienfächer, wo man sich nicht so groß damit beschäftigt hat. Die Informatik, die muss einfach laufen, so wie quasi das WC, das geputzt sein muss. Und man hat sich eigentlich erst darüber beschwert, wenn es mal nicht so sauber oder eben nicht gelaufen ist. Heute, wenn wir schauen mit den Smartphones und Social Media, das ist sicher eine der Hauptursachen, dass Digitalisierung so ein entscheidender Faktor geworden ist. Ich möchte Ihnen zeigen, eben vor einigen Wochen war diese Schießerei in El Paso, haben Sie sicher gehört in den Medien, eine Trauerfeier oder eine Veranstaltung wurde dann nicht mit Kerzen abgehalten, sondern entsprechend mit Smartphones, die leuchten. Und das zeigt, diese Geräte sind wirklich bei allen angekommen. Heute kann wirklich davon ausgehen, dass wirklich praktisch alle eines haben. Die Mobile Apps, alles das entwickelt sich viel noch rascher als noch vor einigen Jahren. In nur 10 Jahren von irgendwie 0,7% der besuchten Websites mit Mobile Devices sind wir heute über die Hälfte der Websites weltweit, die über ein Tablet oder ein Mobile Phone besucht werden. Wenn man sich überlegt, ja, dann ist es nicht weiter verwunderlich, dass viele Firmen heute sagen, Mobile First, also sprich, zuerst muss die Website mal für die mobilen Geräte funktionieren. Das ist sicher der eine Punkt, weshalb eben gerade Fake News entsprechend sich auch schnell verbreiten können. Alle haben ein Gerät quasi rund um die Uhr dabei und es hat wirklich eine große Ausbreitung erlebt. Der zweite Faktor sind meines Erachtens die ganzen Social Medias, die es gibt. Sie sehen auf dieser Darstellung, was passiert quasi in 60 Sekunden auf dem Internet. Wir haben ja heute ganz viele spannende Beispiele gehört aus der digitalen Welt, Schweiz Tourismus. Und hier sieht man es, es werden wirklich tausende, Millionen von Fotos hochgeladen innerhalb weniger Sekunden. Tausende von Stunden Netflix beobachtet, also das zähle ich mich selber auch dazu. Sieht jemand die größte Zahl auf dieser Folie? E-Mails, genau, sehr gut erkannt. 156 E-Mails pro Minute werden verschickt weltweit. Ich habe es mal ausgerechnet, das sind dann 224 Milliarden E-Mails pro Tag, die verschickt werden. Kein Wunder, dass unsere Mailboxes überquellen. Also von dem her eigentlich eine ganz alte Technologie, die gibt es schon seit 30 Jahren, die plötzlich oder eigentlich immer noch in dem Sinne eine sehr große Menge ausmacht. Da ist sicher auch ein Faktor. Alle anderen Technologien stammen von amerikanischen Medienunternehmen, IT-Konzernen, Großfirmen. Nur E-Mail ist ein offener Standard, ein Standard, den eben alle Firmen, die möchten, implementieren können und deshalb immer noch eine sehr große Verbreitung hat. Dies, wie gesagt, die Grundlagen für, was wir eben heute als Fake News betrachten. Fake News, sprich die Definition eben, es geht darum, dass
dass Mitteilungen verfälscht werden, dass eben wirklich Falschmeldungen verteilt werden. Und das gibt es ja schon lange, also es ist nichts Neues. Was eben neu ist, ist die Verbreitung und diese hohe Multiplikation, die eben genau über Social Media als Multiplikationsinstrument sich verbreiten können. Ich habe da einen Artikel aus Science genommen, da sind spannende Zahlen darin publiziert. Man geht davon aus, dass etwa bis zu 15% der Twitter-Accounts Bots sind, also Roboter oder Bots, die eben gewisse Sachen einfach multiplizieren. Wenn bestimmte Keywords vorkommen, dann eben retweeten. Und so können dann genau auch politische Aussagen, irgendwelche Verschwörungstheorien auch sehr schnell Fuß fassen. Auch bei Facebook geht man von Millionen von gefälschten Accounts aus. Auch dort entsprechend gibt es sehr schnell auch diese Multiplikation der Falschmeldungen. Es gäbe die Möglichkeiten, mit Faktenchecks quasi relativ schnell und einfach die Richtigkeit von Quellen, von Aussagen zu verifizieren. Und da gibt es Politfacts oder Snopes, also Websites, wo dann eben sehr rasch auch recherchiert wird. Gibt es einen breiten Konsens, dass diese Information stimmt oder nicht? Aber was heißt natürlich, häufig sind es ja gerade eigentlich die einfachen Meldungen, die uns ja dazu falsch, also die auch Verbreitung erfahren. Was noch dazu führt, eben, dass gerade auch in der heutigen Politik, gerade wenn man nach Amerika schaut, durch entsprechend auch oft von ganz oben Falschmeldungen verbreitet werden und von dem her nicht wahnsinnig auch vorbildlich für die Restgesellschaft funktioniert. Psychologisch gibt es eben diesen Confirmation Bias, also man glaubt dann auch eher Sachen, wo die eigene Meinung bestätigt wird. Von dem her ist man dann auch geneigt, ja dann gar nicht groß zu hinterfragen. Wenn es einfach mal in die richtige Schiene ist, dann verbreitet man es entsprechend weiter, diese Informationen. Die Problematik eben, was könnte man tun? Es gäbe die Möglichkeit, gewisse Dinge zu zensurieren, eben Informationen quasi auf Twitter zu sperren, wenn man sie als offensichtlich falsch identifiziert hat. Aber auch da ist es natürlich nicht so schwarz-weiß, eben sollte man da wirklich mit Zensur beginnen. Auch da kommt dann rasch der Ruf nach Meinungsfreiheit. Man darf ja niemanden in dem Sinn verbieten, eine Falschmeldung zu glauben. Also das ist nicht ganz so einfach, wie man sich das gerne wünscht. Die Forscher kommen zum Schluss, ja, eigentlich das Beste ist, weil man noch ein bisschen mehr forscht dazu. Von dem her auch wiederum nur eine halb gute Lösung für diese Problematik. Ich persönlich denke, ja, die ganze Digitalisierung hat riesen Vorteile, wie wir heute gesehen haben. Fake News gehört zu diesen Nachteilen, zu diesen Problematiken, die gerade in der digitalen Welt nochmal eine neue Bedeutung gewonnen haben. Ich kann Ihnen deshalb jetzt auch keine fixfertige Lösung präsentieren, wie man das verhindern kann. Das zweite Thema, wie gesagt, E-Voting, was ich betrachten möchte, das ist ja schon ein langjähriges Thema, auch insbesondere bei der Auslandschweizer Organisation und hat in dem Sinn auch nochmal eine ganz neue Aktualität erfahren dieses Jahr, wie Sie wahrscheinlich wissen. Gerade in den letzten Monaten haben sich die Informationen, die Entscheidungen rund um E-Voting quasi in überstürzten Meldungen bekannt gemacht. Angefangen hat es aus meiner Sicht doch ziemlich überraschend letzten Winter, als das Genfer System quasi angekündigt wurde, nicht mehr weiterentwickelt zu werden. Und dann eben entsprechend kam im Frühling der Ethical Hack Phase für das Postsystem, das dann doch eigentlich erstaunlich gewisse Meldungen, gewisse Lücken identifiziert hat. Und so hat man jetzt eben gerade eigentlich diese Misere, die Sie ja alle kennen, dass man entsprechend die Wahlen im Herbst nicht mit E-Voting durchgeführt werden können. Es macht sich momentan wirklich ein bisschen die Stimmung breit. Was soll man noch tun? Weil man muss wirklich feststellen, alle drei Systeme, die es ursprünglich gab für E-Voting, sind faktisch gescheitert oder wenigstens momentan nicht lauffähig. Sie können sich vielleicht noch erinnern an dieses Konsortium, diese Kantone, die sich von der Firma Unisys ein System programmieren ließen.
die sind schon 2015, also quasi auch wieder kurz vor den Nationalratswahlen, haben sie das Handtuch geworfen, weil es entsprechend eine Fehlerquelle identifiziert wurde. Dann Kanton Genf, wie gesagt, hat sich entschieden, mal primär aus Kostengründen das System nicht mehr weiterzuentwickeln. Und dann, wie gesagt, die Post, die wurde ethisch korrekt gehackt, aber in dem Sinn hat dann eben genau aus diesen Lücken die Konsequenz gezogen und gesagt, okay, wir können das heutige System nicht mit gutem Gewissen anbieten. Und das ist diese Problematik. Jetzt, wenn man sich überlegt, warum ist das so, was führte zu diesem Scheitern von allen drei Systemen, finde ich sehr interessant, mal zu erkennen, es sind eigentlich drei unterschiedliche Akteure dahinter. Beim ersten war es eine rein kommerzielle, private Firma. Beim zweiten System war es ein Kanton, eine staatliche Stelle. Und beim dritten System ist es ein staatliches Unternehmen. Also wir haben eigentlich quasi alle drei Varianten ausprobiert, der Urheberschaft, der Trägerschaft, und sind bei allen dreien gescheitert, muss man so feststellen. Das Hauptkritikpunkt, also kennen Sie ja eben diese Sicherheit, das Vertrauen in das System, das ist entscheidend, hat man wirklich einmal mehr erkannt, gerade bei diesem Hacker-Test, wo man bei den Postsystemen festgestellt hat, es gibt Möglichkeiten, auch wenn es nur quasi theoretische sind oder eben sehr, sehr kleine Lücken im System, dass eben diese Systeme, beziehungsweise eben nicht, dass dieses Wahlgeheimnis aufgehoben werden könnte. Und deshalb ist entscheidend, einfach zu verstehen, es ist absolut mission critical, dieses Vertrauen zu haben in die Technologie, denn nur so können demokratische Entscheide dann auch tatsächlich legitimiert werden. Es gibt in der Informatik schon lange das Sprichwort No Security by Obscurity, also durch die Verschleierung von Quellcode, von Software, von Abläufen, kriegt man nicht bessere Sicherheit. Das ist leider bei der Post nicht angekommen. Die haben das irgendwie noch nicht erkannt, beziehungsweise eigentlich zu spät erkannt. Sie mussten ja dieses Jahr, wie gesagt, diese Public Intrusion Test durchführen, wurden dann quasi auf dem kalten Fuß erwischt. Im Gegensatz zum Kanton Genf, der von Anfang an den Quellcode offen gemacht hatte, Open Source war, hatte die Post quasi versucht, das Ganze so lange wie möglich unter dem Deckel zu halten. Von dem her, das ist ein entscheidender Unterschied, denke ich auch, wieso jetzt gerade beim Kanton Genf eigentlich die Software selber, auch wenn es in der Vergangenheit mal ein, zwei kleinere technische Probleme gab, eigentlich heute oder eigentlich auf einem guten Stand wäre, die man durchaus auch weiterentwickeln könnte. Ich habe gehört, eben gestern im Tagesschau hat jemand gesagt, ja, es sei doch unglaublich, man sei ja vor 50 Jahren auf den Mond geflogen und heute könnte man immer noch nicht E-Voting betreiben. Absolut einverstanden, weil man muss man bedenken, dass die Amerikaner wie viele Milliarden ausgegeben haben für dieses Mondexperiment. Und da muss man schon sagen, in der Schweiz wurden ein paar Millionen bisher ausgegeben für die E-Voting und mit dem reicht es halt schlichtweg nicht. Da kommt man einfach maximal ein paar Meter, 100 Meter hoch in die Luft. Und was ich auch denke, was eine der Ursachen ist, dass gerade der Bund, die Eidgenossenschaft sich bis jetzt immer so ein bisschen aus der Verantwortung gezogen hat, dass die Bundeskanzlei, die quasi das Ganze beaufsichtigt, ja, und die Kantone, die dann die Lösungen umsetzen, aufbauen müssen, betreiben müssen. Der Bundesrat, der darf dann noch Entscheide fällen und so weiter. Aber wenn wir jetzt wirklich mal etwas vom Boden abheben möchten mit unserer Rakete, dann müssen wir halt auch die Verantwortung wahrnehmen auf Seiten der Bundesverwaltung, denke ich, und dort entsprechend gesamthaft halt etwas investieren und eben nicht nur einfach neue Gesetze oder neue Vorgaben machen, sondern tatsächlich auch Lösungen bauen. Und das ist eigentlich eine der Urproblematiken in der Digitalisierung. Also quasi darüber reden und so können wir lange, aber dann das Ding wirklich ab zum Fliegen zu bringen, das ist eben die Schwierigkeit. Und da braucht es Geld, braucht es Leute, braucht es gute Rahmenbedingungen und da braucht es, denke ich, gerade bei E-Voting einen Neustart. Es gibt ja noch die Möglichkeit eben, dass irgendwie nächstes Jahr die Post ihr System wieder, dass die neue Version bringt. Aber ich persönlich habe schon in diesen Diskussionen x-fach gehört, eben das Vertrauen ist doch einigermaßen grob angekratzt. Eine Lösung sehe ich,
eine Lösung sähe aus, indem man mit diesem Quellcode vom Kanton Genf, der heute als Open Source Software öffentlich verfügbar ist, Sie können den auf GitHub oder auf GitLab anschauen, wenn Sie möchten, oder anschauen lassen von IT-Leuten, die Möglichkeit bestünde, diese Software zu nehmen und als Open Source Projekt quasi durch den Bund, durch die Eidgenossenschaft, durch die Kantone, mit der IT-Wirtschaft und insbesondere mit der Zivilgesellschaft zusammen zu einem Open Source E-Voting-System aufzubauen. Das sehe ich persönlich so als einzige Chance noch, das Ding in absehbarer Frist wirklich zum Fliegen zu bringen. Es ist ein bisschen eine technische Diskussion dann, aber von dem her nichtsdestotrotz auch eine wichtige Frage, wie könnte man jetzt da wieder entsprechend eigentlich auch diese Rakete tatsächlich bis zum Mond schießen. Von dem her das so die Gedanken dazu. Ich hoffe, ich habe einige Themen ansprechen können und stehe jetzt gerne noch für Fragen und weitere Diskussionen zur Verfügung. Besten Dank. Vielen Dank, Matthias Stürmer. Gibt es denn jetzt direkt Fragen zum E-Voting? Jawohl, dort, wir nehmen eine Frage mit, weil wir schon etwas weit vorgeschritten sind in der Zeit. Bitte sehr. Ja, danke. Mein Name ist Mirta Rohrbach. Ich komme aus Deutschland zurzeit. Die Frage wurde schon an Bundesrat Cassis gestellt. Das Problem fängt ja vorher an. Die Zustellung von Wahlmaterial. Wäre es da nicht denkbar, ähnlich wie bei der Schweizer Revue, das online zu übermitteln? Und so wäre, also eigentlich müsste das doch auch geschaffen werden, dass das Wahlmaterial für alle zugänglich ist, ja, die wählen möchten. Absolut, also dort ist es eigentlich technisch, das ist, denke ich, das kleinste Problem. Also die Zustellung von Papier auf digital zu wechseln, das ist, sehe ich als kleines Problem. Das Hauptproblem bei der E-Voting ist ja eigentlich diese Garantie, dass die Stimme gezählt wird, plus noch die Einhaltung des Stimmgeheimnisses. Und diese Quadratur des Kreisels mit dieser individuellen Verifizierbarkeit und der universellen Verifizierbarkeit umzusetzen, das ist bis jetzt eigentlich niemandem gelungen, beziehungsweise eben nicht in diesen Systemen, die heute verfügbar sind. Aber eigentlich, wenn es dann mal funktioniert, wenn man wirklich der Haupttriebwerk der Rakete gebaut ist, dann kann man noch am Schluss die schöne Farbe, da, also dieses Zustellen der Codes, das ist kein Problem. Vielen Dank für die Frage und vielen Dank auch für die Antwort, Matthias Stürmer. Ja, das war's zu diesem Teil. Dankeschön, das ist der Applaus. Genau, Dankeschön. Wir sind fast am Ende, aber eine wichtige Generation haben wir bis jetzt noch nicht angesprochen. Wir haben so die Generation Z im Fokus gehabt vorhin beim Panel. Und ich würde Ihnen jetzt noch gerne jemanden der Generation Y, Y vorstellen. Bitte kommen Sie zu mir, Salome Vogt, Leiterin Avenir Jeunesse. Guten Abend zusammen. Hallo. Ich sage es gerade zuerst, Sie haben Jahrgang 88. Ja, ganz genau. Genau. Und Sie stammen mit dem aus einer Generation, wo man sagt, interessiert sich weniger für Parteien, sind eher auch Sie selber in einem Think Tank engagiert, wo Sie arbeiten, eben als Leiterin von Avenir Jeunesse, Politikwissenschaften studiert. Wie wurden denn Sie selber politisiert? Ja, wie wurde ich selber politisiert? Wie wahrscheinlich viele, auch von Ihnen, ich wurde am Esstisch politisiert. Am Esstisch? Ja, und zwar durch viele Gespräche mit meinem Vater und mit meiner Mutter weniger. Wie alt waren Sie, als das begann? Das habe ich mich gerade vorher gefragt. Ich war wahrscheinlich in der Adoleszenz, wahrscheinlich so zwischen 15, 16. Ich denke aber, das wirklich politische Interesse hat bei mir erst später angefangen, als ich dann wirklich zum ersten Mal das erste Abstimmungskuvert im Briefkasten hatte. Können Sie sich sogar noch erinnern an die erste Abstimmung? Ich weiß nicht mehr genau, über was ich abgestimmt habe, aber vielleicht einfach so zur Info, ich bin auch Doppelbürgerin, Italienerin und Schweizerin und meine ganze Familie in Italien ist halt ein bisschen eifersüchtig auf unser direktdemokratisches System. Okay. Und da habe ich dann die Relevanz und die Wichtigkeit von Abstimmungen wirklich erst verstanden und somit hat es bei mir dann Klick gemacht und das Interesse ist gewachsen. Dann in meinem Auslandaufenthalt in Südamerika habe ich mich angefangen für internationale Politik zu interessieren.
ja, und so hat dann das eine zum anderen geführt. Parteipolitisch, wo muss man Ihre Familie so situieren? Parteipolitisch kann man meine Familie wahrscheinlich so linksliberal dazu situieren. Allerdings, je älter sie werden, desto mehr geht es Richtung bürgerlich. Ich würde allerdings sagen, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die sehr überparteilich gedacht hat, und zwar sehr sachspezifisch. Das wurde mir auch so vermittelt und das ist auch mein persönliches Credo. Ich bin bewusst nicht in einer Partei. A, gibt es keine, die mich wirklich repräsentiert. B, wähle ich mir einfach gerne Themen aus, in die ich mich dann einlese, und bin eigentlich sehr ein sachlicher Mensch. Und weniger, ich beobachte gerne die Politik von außen, beziehe mich dann aber selber in meiner Arbeit gerne auf die sachliche Ebene. Ist das typisch für, wenn Sie jetzt ein bisschen nach links und rechts schauen, ich meine das jetzt nicht parteipolitisch, sondern in Ihrem Freundesumfeld oder familiären Umfeld, ist das typisch für Ihre Generation, dass man sagt, die Partei, die meinen eigenen Positionen entspricht, die gibt es jetzt einfach nicht für meine Generation? Ich finde, das sind immer so ein bisschen die generalistischen Fragen. Mhm. Ich finde, man kann das eben nicht so wirklich pauschal beantworten. Es gibt wahrscheinlich Menschen in meiner Generation, die sich total von einer Partei repräsentiert fühlen. Ich kenne viele Menschen, die in Parteien sind, von links bis rechts. In meinem persönlichen Umfeld, in einem ein bisschen urbanen Umfeld, gibt es tatsächlich viele, die sich nicht in einer Partei zu Hause fühlen und die sich gerne überparteilich engagieren oder informieren. Und zum Beispiel, wenn man es einfach sieht, diese ganzen Bewegungen wie Operation Libero oder Voraus, die sind ja auch in städtischen, urbanen Gebieten entstanden, haben sich dann aber ausgebreitet an den Universitäten, an den Fachhochschulen. Da wurde dann das ganze Know-how mittels Grassroots-Bewegung aufgesogen und so haben sie immer viele junge Menschen, die da aktiv mitarbeiten. Und das passiert dann tatsächlich auf einem digitalen Kanal vor allem. Also bleiben wir schnell bei der Operation Libero, die vor allem in den letzten Jahren, zum Beispiel bei NoBilag, auf die Bühne getreten ist, die man wahrnimmt als eine politische Kraft, die aber nicht parteipolitisch organisiert ist. Ja, genau. Jetzt ist es so, dass irgendwie alle denken, es geht nur noch digital und online. Digital und online ist Mittel zum Zweck, ist unglaublich wichtig, weil man hat schnell sehr viele Multiplikatoren, die einem dann ermöglichen, dass eine Botschaft sehr schnell sehr viele Menschen erreicht. Aber es ersetzt halt nie den persönlichen Kontakt. Ich würde sagen, die guten Ideen entstehen eher an einer Retrette oder an einem Stammtisch, wenn man wirklich gezwungen ist, zu politisieren, zu debattieren. Die Präsenz im öffentlichen Raum ist sehr wichtig. Das heißt, ich denke eben auch bei diesen Organisationen, man muss einfach sagen, es kommt dann auch sehr darauf an. Operation Libero zum Beispiel hat eine ganz große Community hinter sich. Das heißt, sie schaffen es effektiv, mit ein, zwei Posts viele Menschen zu erreichen. Wenn man ein bisschen eine kleinere Community hat, dann hilft es eben schon, wenn man dann wirklich vor Ort geht und die Menschen direkt anspricht. Das heißt, es ist eher ein Miteinander. Es ist sicher nicht nur noch digital, das Persönliche. Es ist lustig, dass Ihre Generation wieder an den Stammtisch zurückkehrt. Da musste ich etwas schmunzeln. Also Sie sitzen wieder beim Bier am Freitagabend. Das machen alle Stammtische. Ja, okay. Ja. Der zweite Punkt, den mich noch interessieren würde, ist das große Wort Think Tank. Es ist immer ein bisschen mysteriös, was passiert in diesen Think Tanks. Sitzen da schon fast unter geheimen Bedingungen Leute beieinander und denken sich dann Sachen aus. Wie arbeiten Sie, was machen Sie in Ihrem Think Tank der Avenir Jeunesse? Wie muss man sich das vorstellen, ganz konkret? Also vielleicht noch schnell zur Aufklärung. Avenir Jeunesse ist nichts anderes als die Jugendplattform von Avenir Swiss. Mhm. Wahrscheinlich dem oder einem der bekanntesten Think Tanks in der Schweiz. Und ja, was macht ein Think Tank den ganzen Tag? Wir versuchen effektiv Lösungen zu denken. Wir sehen uns ein bisschen als Brücke zwischen der Wissenschaft und der Politik, als Übersetzer von vielen wissenschaftlichen Ideen. Wir sind sehr ökonomisch fundiert. Avenir Jeunesse hat die Aufgabe, die Ideen, die bei uns intern entstehen, zu vereinfachen, dann wirklich an ein junges Zielpublikum zu bringen, sei dies mittels einer Publikation oder wir machen viele Events an Universitäten, wir sind in den Schulen sehr präsent, mittels Workshops. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe, was ein Think Tank macht. Wir schauen uns an,
Avenir Suisse hat sich ja zum Ziel gesetzt, was sind die Prosperitätspfeiler oder die Treiber, die sehr wichtig sind, um den Wohlstand in der Schweiz zu wahren. Und für diese 5 Treiber, die wir da evaluiert haben, haben wir verschiedene Projektleiter, das sind wirklich Spezialisten, Ökonomen in diesem Fachbereich. Und die publizieren oft Studien. Wir haben es vorhin ganz kurz eingeblendet gesehen, gerade letzte Woche ist eine Studie ebenfalls zu E-Voting, E-Collecting, also die Studie nennt sich digitale direkte Demokratie, entstanden. Und das ist eigentlich die Aufgabe. Wir wollen die Gesellschaft, die Politik, aber auch die Wirtschaft erreichen. Und das Schöne an einem Think Tank ist eben, man ist nicht an eine politische Agenda gebunden. Also ich und alle meine Kolleginnen und Kollegen, wir müssen nicht mehr wieder gewählt werden. Das heißt, wir können durchaus einfach mal provokative Thesen aufstellen, was sich dann wahrscheinlich sehr viele Leute nerven, wenn sie die Zeitung aufmachen und sich denken, was haben die schon wieder geschrieben. Aber das Wichtige ist, dann entsteht ein Diskurs. Und ich denke, das ist die Grundlage für Bewegung, weil wenn man nicht mehr bereit ist, über gewisse Sachen zu sprechen, dann bleiben wir auf dem Status quo. Noch eine persönliche Frage zur Karrierenplanung. Wir haben vorhin im Panel kam das Life-Work und Life-Learning. Wo sehen Sie sich? Also ist das Ihre Lebensstelle? Ich kann nicht, also Avenir Jeunesse wird vielleicht nicht immer Ihrem Lebensart entsprechen. Nie gut, wenn eine Lebensstelle in einem Think Tank ist. Ein Think Tank lebt von neuen Ideen und neue Ideen zu produzieren ist etwas, das kann man über einen gewissen Zeitraum, aber das wäre ja total unglaubwürdig, wenn immer die gleichen Personen in einem solchen Organ arbeiten würden. Das heißt, ich werde nicht alt bei Avenir Suisse. Was mich hin verschlägt, das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich selber noch nicht ganz genau. Wahrscheinlich eher in die Privatwirtschaft. Ich bin jetzt sehr daran interessiert, mich ein bisschen in Richtung Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Politik. Das sind all diese Sachen. Und die diese ganze Politik? Nein. Ich beobachte gerne die Politik aus der Ferne. Wer weiß, vielleicht eines Tages, aber jetzt... Ah, Sie lässt es offen. Okay, gut, haben wir gehört. Genau. Wer weiß. Salmi Vogt, vielen Dank. Waren Sie kurz, Sie haben uns unterhalten über Ihr Tätigkeitsfeld. Dankeschön. Ja, die Erwartungen von jungen Auslandschweizern, die kommen schon fast zum Schlusspunkt unserer Veranstaltung heute. Ich filme es jetzt schon. Also du tust es gerade schon. Genau. Hi. Okay. I wish from the government to take the natural organizations more seriously and focus on the planet issues like pollution, ocean pollution and forest pollution, and protect more the animals that are gonna disappear. Also für mich ist auch wichtig, dass Politik vielleicht auch interessanter wird für die jüngere Generation, weil es gibt nicht viele, die sich mit Politik beschäftigen. Und es kann auch vielleicht daran liegen, dass man erst ab 18 wählen darf. Vorrei che in Svizzera la comunità LGBTQ avesse più diritti, come per esempio i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Perché penso che sia una cosa molto importante. Mein Wunsch wäre, dass die Schweizer Regierung mehr Druck auf die SBB legt, dass sie ihre vorhandenen finanziellen Mittel mehr dazu einsetzt, ein ausgebauteres Gleichsystem zu verwirklichen innerhalb der nächsten Jahren. Und der Grund dafür ist, dass mehr Waren mit Zügen transportiert werden sollten, als jetzt mit Lastwagen oder mit Flugzeugen. So, what I expect from the Swiss government is for them to try and stay in touch with the Swiss people, stay in touch with their concerns and try to answer them. I brought this up because I've been observing the situation in the UK after Brexit and how it's been developing, and I find that the government is completely out of touch with its people, they are completely disillusioned and they keep making empty promises. And I think that this is also the case in other European countries. I want to think Swiss politics was helping young people with work and education. I would love to see Switzerland become a pioneer in terms of electricity production, so it becomes more eco-friendly.
Ich finde es befremdlich, wie in der Schweiz dem Militär so eine große Relevanz eingeräumt wird. Wenn man nur in der Schweiz schon studiert, muss man auf lange Sicht in die Armee. Und ich finde, in unseren heutigen Zeiten ist es wichtiger, mehr im sozialen Raum Aktivitäten zu schaffen für die Jugend, was ja auch sehr wichtig ist. I'd like the government to be way more concerned about the situation some teenagers can go through. When talking about situations, I mean problems, illnesses, you know. As a teenager, I feel sometimes invisible, like I don't fit in society at all, and that's how most teenagers feel. Like the part of the society no one wants to hear. It's just young people talking without big experience, right? Why listen to them? So I wouldn't say that. I think experience doesn't come with a certain age, and that's what most people don't understand. So I'd like this to change. What I expect from politicians is to not be scared to put money into scientific research. We're at the point where the only thing that can save our world is a brilliant scientific invention. For example, nuclear fusion as the ultimate energy source. It's something that could really help our planet, and we can only achieve those kind of things if the government puts money into the research first. And I want Switzerland to concentrate their main powers in their inner politics so they can resolve their main issues they have now, and so they can provide a brighter future for the country. Vorrei che la Svizzera riducesse le proprie emissioni di anidride carbonica per combattere il riscaldamento globale. What I expect politicians nowadays in Switzerland is not to give up on Swiss citizens living abroad, meaning the right to vote or the right to do anything that has to do with the country. I say this because I've lived in Switzerland when I was young, but had to move back to Canada for personal reasons. But I've never given up on Switzerland. I read the Swiss Review with my mother. I watch the Swiss news. I was able to vote 3 years ago, but don't vote for personal reasons, but my sisters do, and they love it very much. They feel a part of the community, and we don't want to be cut off from that. I wish that the politicians would be bolder in their decisions regarding our world, because we already know in which direction we have to go to make a better world. We just need the people in power to dare to make the right decisions and set the right course. Great. Let's give it one more shot, because there were some cars. Some cars. Okay. Ja, please stand up for a minute, so people can see you. Das sind Sie, die 30. Zeigt doch mal schnell, steht schnell ab. Das ist euer Applaus. Young people, young Swiss living abroad. So, schön. Perfekt. Vielen Dank, war super. Dankeschön. Ja, mit dem sind wir wirklich bei der Zusammenfassung und am Schlusswort. Bitte begrüßen Sie nochmal Arjan Rustichelli. Nous sommes à la fin de ce colloque et durant ce colloque du 95e Congrès des Suisses de l'étranger, nous sommes penchés sur les défis majeurs de société dont nous ont beaucoup parlé les jeunes, notamment lors de la discussion avec le conseiller fédéral Ignacio Cassis. Les intervenants de cet après-midi nous ont brossé au travers d'interventions, je dois dire, d'une rare qualité, un tableau des enjeux futurs de notre société. Vous, ils ont su nous faire comprendre la complexité de ces enjeux et en quoi ils sont inextricablement liés les uns aux autres. Or, pour apporter des solutions adéquates, encore faut-il connaître les défis auxquels nous sommes confrontés. L'une des réponses, évidemment, est institutionnelle. C'est celle apportée par l'ONU au travers de ses 17 objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Francesco Pisano nous a d'ailleurs fait comprendre que ce programme global n'est rien moins qu'un plan d'action pour assurer la pérennité de notre planète, mais de l'humanité tout entière. Les différents intervenants qui se sont succédés nous ont ensuite expliqué de manière beaucoup plus spécifique quelques-uns des défis à venir. La question climatique, bien entendu, qui mobilise depuis des mois la jeune génération. Des jeunes qui sont nés et qui ont grandi avec les réseaux sociaux,
et qui ont grandi avec le développement de l'Internet, des jeunes hyper connectés pour lesquels les réseaux sociaux sont un moyen de se réunir, de s'informer et de propager des idées. Des jeunes qui n'hésitent pas à rappeler aux générations plus âgées, à nos générations et celles encore plus âgées, qu'elles doivent prendre leurs responsabilités et que nous avons le devoir de préserver la planète pour assurer l'avenir des générations actuelles et des générations futures. Und schließlich auch die Jugend, die sich dank sozialer Netzwerke für Anliegen mobilisieren, die ihnen wichtig sind, inklusive politischen Themen. Avenir Suisse oder Avenir Jeunesse ist zum Beispiel ein typisches Beispiel dafür. Die durch die neuen Technologien entstandenen Möglichkeiten sind so zahlreich, wie sie logisch widersprüchlich sind. Einerseits sind es Technologien, die eine Mobilisierung und ein Zusammenfinden in Interessengruppen ermöglichen, sodass sie das Interesse der Jugend an der Politik neu lancieren und wiederbeleben. Andererseits werden auf den Online-Plattformen auch Falschinformationen verbreitet. Falsche Gerüchte gab es schon immer, aber die Schnelligkeit, mit der sich die Informationen mithilfe der neuen Technologien verbreiten, verstärkt dieses Phänomen. In Zukunft muss sichergestellt sein, dass unabhängige und qualitative hochstehende Medien weiterhin bestehen und der Manipulierung der öffentlichen Meinungen entgegenwirken, zum Beispiel wie mit Swissinfo oder die Schweizer Revue. Immer noch in Bezug auf die Digitalisierung hat uns Urs Eberhardt über ihren Einfluss auf den Tourismus gesprochen. Heute natürlich verkauft man die Schweiz nicht mehr so wie vor 20 Jahren, denn die digitale Revolution hat auch von diesem Bereich nicht Halt gemacht. Ein weiterer Aspekt ist, dass der Tourismus immer nachhaltiger wird. Dadurch, dass die Menschen immer älter werden, sind Krankheiten auf dem Vormarsch, die oft das Gehirn betreffen. Vincent Crozet hat uns über den Stand der Forschung und über die Antworten der Wissenschaft zu diesem komplexen Problem informiert. Aber auch andere Fragen stellen sich mit der Alterung der Bevölkerung, insbesondere im Bereich der Rentenfinanzierung und der Gesundheitskosten. Die Frage des Pensionsalters führt auch zur Frage nach dem Arbeitsmarkt, der sich gerade grundlegend wandelt und weiterentwickelt. Die Teilnehmenden des Podiumsgesprächs haben uns ein Bild der Erwartungen und der Herausforderungen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber und generell der Gesellschaft in einer Welt aufgezeigt, die immer digitaler und mobiler wird. Uns allen ist klar geworden, die künftigen Herausforderungen sind zahlreich und die Antworten oft komplex und ungewiss. Nous avons questionné aujourd'hui les défis de demain, mais nous nous sommes également posé la question des personnes ou des organisations à même d'y répondre. Si l'action individuelle et collective est primordiale, l'action institutionnelle ne l'est pas moins. Cependant, il ne faut pas oublier que toutes et tous, par nos actes au quotidien, par notre mobilisation citoyenne et par notre décision d'exercer ou non notre droit de vote, nous contribuons à définir le visage de la Suisse et du monde de demain. Si de nombreuses incertitudes demeurent quant au monde qui attend la prochaine génération, il faut pourtant dès aujourd'hui réfléchir et mettre en place les éléments de réponse. Le monde change à une vitesse exponentielle et nous sommes d'ores et déjà confrontés à cette réalité de demain. L'attentisme n'est donc pas une solution. Je dirais en résumé que ce 97e congrès des Suisses de l'étranger constitue un vibrant appel à la prise de responsabilité individuelle et collective. Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des intervenants qui ont pris la parole durant ce colloque, avec brio,
ainsi que Christian Tseguin, qu'on oublie toujours de féliciter, qui assure lui aussi avec brio la modération de notre congrès depuis 2017. Et j'espère, et c'est un appel à toi Christian, que tu le feras longtemps encore. Pour terminer, vous savez que l'organisation du congrès annuel, notre organisation, est un immense travail d'équipe. Et j'aimerais vraiment adresser un merci tout particulier et chaleureux à l'ensemble des collaborateurs de l'organisation des Suisses de l'étranger, non seulement ceux qui sont en charge plus directement de l'organisation du congrès, mais tous les collaborateurs de l'OSE qui sont réunis durant 3 jours pour faire en sorte que ce congrès fonctionne aussi bien qu'il fonctionne. Je crois qu'on peut vraiment les remercier. Et je terminerai par une dernière demande d'applaudissements. Vous le savez peut-être ou non, aujourd'hui, c'est le dernier jour de travail de Madame Anne-Catherine Clément, qui doit être dans la salle, j'espère. Est-elle dans la salle? Elle a osé s'éloigner de la salle. Elle n'avait pas envie de ce moment-là. Mais nous allons quand même la remercier. Donc Anne-Catherine Clément, ah voilà, elle vient de rentrer. Anne-Catherine Clément organise aujourd'hui son 2e congrès des Suisses de l'étranger. Elle est en charge du département de la communication et du marketing. C'est donc son équipe qui a organisé tout le congrès. Et c'est aujourd'hui son dernier jour de travail. Elle va nous quitter juste à la fin de cette séance. Elle prendra la poutre d'un escampette. Et ça fait presque 5 ans que tu travailles à l'Organisation des Suisses de l'étranger. Anne-Catherine, je tiens à te remercier très chaleureusement pour tout ce que tu as fait, pour cet immense travail. Et tu sais que tu seras toujours la bienvenue, évidemment, à Berne, mais aussi à notre congrès annuel. Un immense merci à toi. Les fleurs suivront. C'est dit que tu n'avais pas à prendre un bouquet avec toi et avec la valise. Merci à toi. Chers congressistes, ce congrès a lieu aussi grâce à vous, grâce aux jeunes qui sont là, grâce à vous tous. Et je vous dis déjà, nous nous voyons l'année prochaine très nombreux à Lugano. Merci à tous. Déjà deux.